too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting, right? But cowgirls don't. You probably think I'm hurting. I call out some.
Bonsoir, bonjour, coucou, comment ça va? Hello, 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 bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon... Bonjour, rouge, on arrive en même temps, oh là là, ça c'est pas signe, bonsoir à tous. Pshut, transition. Bonsoir, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi, parce qu'on s'est pas vu hier, OMG. Hello Kali. Ah ouais, accessoirement, tiens, salut Kali est là. Comment tu vas, Léa? pas trop accidentée. J'ai vu les B-Reels, c'était catastrophique ça. Une création, un cristal HT. Merci Matif. Comment tu vas, Matif? Ça faisait bizarre de pas se voir hier, j'avoue, hein. Moi aussi. Mais je vais pas mentir, ça fait un petit bien quand même. Un petit bien de se réveiller et de se dire, ah putain, j'ai pas d'impératif horaire, tu vois, c'est surtout ça. C'est surtout le truc de se dire, putain, il faut que j'ai fait ça, 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 avant telle heure et tout. Du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut des pauses. Ouais, c'est ça. Il faut des pauses pour apprécier. T'es trop mignonne. Merci beaucoup. Coucou, Frenchy, comment tu vas, ma belle? Ça fait plaisir de te voir là. Vous m'avez manqué. Oh, Matif. Elle a sorti la chemise, petit make-up et tout. T'as vu là, franchement, c'est la tenue du dimanche. Non, des fois, c'est pareil. Des fois, c'est cool, tu vois, de se dire, hé... Hey, on est entre poteaux, je mets le gros pull Twitch là, tu vois. Mais des fois, c'est bien de se dire, hey, on s'habille, on met des vêtements. Ça va un peu mieux. Oh, câlin, si consenti, ma French. Et merci Victoria pour le follow, bienvenue. J'adore ton prénom. Ah, tu me dis, moi, j'ai mon pyjama. T'as tout à fait raison. Si j'étais pas en stream, je serais en pyjama. Elle est magnifique, alors que moi, je suis avec un vieux pull plein de poils. J'y pèpe. En même temps. Impossible d'y échapper avec le toutoune. Impossible d'y échapper. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit peu de Sims. On va retrouver du coup, j'allais dire le Family Dynamics, non. wrong let's play. Non, on va retrouver Heidi du coup dans sa petite clinique vet là. Et son gros bidou qui est pas si gros en vrai. Hein, parce qu'au final, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'elle est praganatée, donc ça va. Et j'ai fait un titre bien clickbait. Hein. En même temps, c'est pas... Sinon, c'est pas clickbait, c'est vrai. Heidi est-elle enceinte d'un homme marié? Oui. La réponse est oui. J'ai fait une visio client cette semaine, j'ai voulu me lever dans la cam. J'ai vu mon pantalon en pyjama rouge avec des sapins de Noël. Ah, putain, t'es comme Olivier qui lâche pas son pull de Noël, quoi. Tu penses à toi, des questions, on va sortir une collection pour les toutous à base de peignoir. OMG! Trop mimes. Faut savoir aussi... Mais c'était ma... C'était ma tenue toute ma grossesse. Non, je comprends de fou. Moi, j'avais un legging pendant ma grossesse que je ne quittais pas. Enfin, que je quittais pas. Je le lavais quand même, je vous rassure. Mais je crois que j'en avais 2-3 même. Ouais, j'en avais 2-3 des leggings. Et je mettais ça en boucle parce qu'il n'y a que ça vraiment de comfortable, quoi. Vraiment, vraiment. Merci DTS, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bienvenue. Je veux dire, des fois, on oublie quand on bosse à la maison en vision. On a... Ouais, ouais, ouais. Non mais de fou, d'ailleurs tout à l'heure j'avais la chemise et le bas de pyjama et pareil je me suis vue dans la caméra et je dis ah putain ouais si je me lève ouais non mets un jean. Mets un jean quand même. Coucou Manon, comment tu vas? mes photos c'est essentiellement des fleurs et des oiseaux. Ouais mais elles sont trop belles, la pluie donc les photos route mouillée fleurs. Non mais le train aussi, il y a ni fleurs ni oiseaux, quoique si on cherche je pense qu'il y a des fleurs et des oiseaux. Mais... ah pourquoi tu chiales? C'est beaucoup d'émotions, franchement. Pourquoi tu chiales, Malicia? C'est une horreur, mais déjà, les poils en gras commencent à perdre leur poil pour l'été. Ah, my God. My God, my God. C'est l'avantage, ma mère, elle a un petit bichon frisé. Ça ne perd pas ses poils, ou alors tellement peu que ça va, quoi. te voir, ça l'a ému. Ne pleurez pas, tout va bien. Tout va bien, pas de raison de pleurer pour l'instant. Pour l'instant. Quand tu vas, Malicia? T'as quoi comme chien, Tiff? Je vois pas trop les monuments, par contre tu as un rapport détaillé de la flore et de la faune locale. Et des petites photos mignonnes de co aussi. Comment ça pour l'instant? On sait pas, on n'est pas à l'abri. Un petit moment émotion, bon. Un petit moment terrible dans l'épisode, non. J'ai rien prévu de terrible, je vous rassure. Merci beaucoup Léa pour le follow. Bienvenue, rejoins la clique des Léas. Vous êtes à peu près une cinquantaine. Je suis pépé. La Léa team. L'avantage de mon chien, c'est qu'il ne perd pas plus de poils à l'approche de l'été. Il en perd juste énormément tout au long de l'année. Voilà, c'est une constante.
Ça va pas suffire de faire tomber Milly. Je vois pas de que tu parles. Non, mais après, pas de chute ici, pas de... Rien de tragique, quoi. Ça va devenir un culte des Léas, je te jure. En vrai, de vrai, il y a au moins, j'ai dit une cinquantaine, mais il y a au moins une dizaine de Léas. C'est rigolo, en vrai. C'est le prénom le plus populaire dans le chat de la Capanze, je pense. Yeah. Bienvenue dans la team, Léa. Quand on est arrivé au château de Nagueas, ce matin, il y a un couple qui est descendu de sa camionnette avec leurs 5 gros chiens, c'était la folie, ils étaient trop choux. OMG, trop mimes. Tu as dit vrai de vrai, comme Bluey. Moi, je regarde Bluey en anglais. Du coup, elle dit for real life, pour la vraie vie. Trop chou. Coucou Diana! Tu twerks si bien dès le matin, ma Diana. Comment tu vas? Est-ce que tu me montres en vrai? Moi, je pourrais mettre mes photos dans le Didi. Oui, mettez vos photos dans le Didi, hein, avec plaisir. Hein. avec plaisir. Alors, vous vous souvenez du coup. J'ai mis une petite playlist cowboy, etc. Puisque on est à Chestnut Ridge, hein, c'est l'occasion. La musique, ça va là, c'est pas trop fort, pas assez fort, etc. etc. Hein. vous vous rappelez évidemment de la clinique. Ah bah merde, faut peut-être que je vous mette l'écran. Ça serait plus pratique. Ça serait plus pratique, je pense. Tu sais que je valide la contrée, alors parfait. Ouais, de fou. C'est un de mes talents cachés. Le tout. Et il faut savoir travailler son dos. Voilà, c'est le petit secret, la petite touche Diana. Super. Coucou Mayele, comment tu vas? En mode cowboy pour pécho, ouais. Enfin, pécho. En théorie, on a déjà pécho. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Je change la scène. Transition. Ah non, attendez, parce que pourquoi? Oh, l'écran. Ah, mais je vous ai pas raconté ça. Je vous ai pas raconté. Ce matin, attendez, je suis pas centrée. Ce matin, j'ouvre mon truc. J'ouvriais. Ça me dit, j'ai pas les Sims. Comment ça, mon ref, j'ai pas les Sims? Genre, j'ai montré. J'ai en fait une vidéo à. Allez, à coco. Parce que ça me disait genre que j'avais que... ouais, toujours le black screen, tu connais June. Que j'avais toujours... d'installer... Merci beaucoup, Diana. Hop, walou, walou. Merci beaucoup, ma belle. Merci infiniment pour ton soutien. Ouais, sur l'IA app, ça me mettait... ça me mettait que j'avais que... ah, comment il s'appelle? Sims Medieval. Voilà. Et ça me mettait, vous avez des jeux qui ont été supprimés, dont Sims 4. J'étais en mode, ah bah comment ça mon bœuf, ouais. Les problèmes. De fou, hein. De fou. Faut redémarrer l'ordi. Non mais t'inquiète, j'ai pu... en fait, j'ai cliqué sur l'icône après de mon bureau. Mais sur le coup, j'étais en mode, putain, mais comment je vais faire et tout. Et ça me disait, genre je cliquais sur les packs, c'est même pas ça me disait de les réinstaller, ça me disait de les acheter. Du coup, j'étais en mode... pourtant, j'ai pas craqué mes jeux, tu vois, donc j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui nous est passé? Et après, je sais pas, au bout de 5-10 minutes, je me suis dit, bah, en fait, juste essayer de le lancer, genre. Et ouais, t'avais dossier Sims 4. Ouais, non, mais il y avait tout, hein, puisque regarde, on est une game, on est bon. Mais sur le coup, je me suis dit, alors non seulement, bon, je les aurais pas rachetés, tu vois, j'aurais contacté IA et tout, mais non seulement, enfin, ça va faire du tracal, mais en plus de ça, on perd toutes les games, quoi. Cette appli du démon, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, vous vous souvenez évidemment d'Eiji. Eiji qui est un peu en PLS ce matin. Puisque si vous vous souvenez bien, c'était dans l'épisode du coup de... C'était avec qui? C'était avec Kendall. Coucou Kenza, comment tu vas? Yeehaw, yeah, de fou. C'était avec Kendall. On était au festival de l'amour, je crois, je sais plus, et elle arrive Praganate. Bon, du coup, quand nous, on l'avait vue arriver, elle avait déjà un ventre assez proéminent. J'ai réduit l'aller au premier trimestre, mais voilà, franchement, le jeu, il a saoulé. Praganate, exactement. Elle est en pleine nausée matinale. Merci, Coco Praline. Je ne fais que passer, mais toujours un plaisir de regarder les streams de Cafan. Gros bisous à tous et bon dimanche. Merci, Praline, c'est adorable. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci infiniment, merci beaucoup. 5 mois, wesh, ça passe trop vite. Merci, merci. Merci beaucoup.
Et du coup, ouais, on l'avait vue au Festival de l'Amour, elle était arrivée en mode « Surprise, I am pregnante !» Bon, après, quand elle est arrivée au Festival de l'Amour, elle avait son gros bidou et tout, donc forcément, nous, on l'a vue direct. On peut imaginer que c'était quand même plus subtil et qu'elle en a juste parlé à Kendall en mode confidence, et que voilà, parce que là, bon, c'est pas très RP, quoi, qu'elle arrive déjà avec son gros bidou. Du coup, j'ai un peu réduit ça. Et du coup, ouais, voilà, elle est enceinte. Pour l'instant, il n'y a que Kendall et Barbie. Elle l'a dit à Barbie ? Ouais, elle l'a dit à Barbie. Il n'y a que Kendall et Barbie qui le savent. Merci beaucoup, Jules, pour le follow. Bienvenue. Oh. Ouais ! Ça va, vous ? Petite frayeur. Le géniteur est au courant. Le géniteur n'est pas au courant. Exactement. Voilà. Il faut sachez que, voilà, c'est une très bonne transition, ça. Merci, Léala. La dernière fois qu'elle a vu le géniteur, c'était lorsqu'elle a découvert la photographie. Drama, elle avait la drama orange, c'est ça. La dernière fois qu'elle a vu le bougot, c'était chez lui. Enfin, elles sont peut-être recroisées depuis, tu vois, mais ils ont vraiment pas pris le temps de papoter, etc., etc. Donc, la dernière fois qu'elle l'a vu, ils ont fait crac-crac, hein, voilà, d'où la conclusion, le résultat. Et elle avait découvert donc une photo, un Polaroid, pour être précise, de Kenji et d'une Gadji. De Kenji et d'une Gadji. De Kenji et d'une meuf. Merci, Tissé ! Merci beaucoup ! Train de la petite chou, ouais, merci beaucoup, merci infiniment. Et du coup, elle avait vu donc la photo de Kenji et de la meuf. Oh my god! Le train de la hype! À destination du monde. Merci beaucoup! Vous êtes trop chou, merci infiniment pour le chouchou. Coucou Plouf, comment tu vas? Et forcément, ça ne lui avait pas trop plu puisque sur cette photo, clairement, c'est une photo de mariage. Donc, Kenji est une meuf de type sa meuf, exactement. Tu vois, c'est ça que j'avais dit. Ça rechiale pas pour l'instant. Merci Tissem pour Mirinae, pour Nephilim, pour Urem Cross Sims, pour Mounette, pour Café Ramed. Merci beaucoup. Tu as cru que tu allais me laisser sur le quai. Merci infiniment. Mais rouge, merci beaucoup. Mais ça va pas bien. Mais Tissem, merci pour Kenza. Mais OMG. Mais quoi? Vous avez envie de faire un petit tour de train ce matin ou c'est comment? Coco, merci pour Lilo, pour Yuki, pour Claire Ops Nawa, pour Nateria et pour Lorasmus. Mais wesh, mais comment ça mon bœuf? Merci Léala. Mais tu veux pas qu'on ait le résumé? Ouais, j'avoue, j'avais jamais fini. Yélé, j'avais pas vu. Le train part pas sans moi. Yélé. Mais vous faites quoi, mes Frenchies? Oh my god, Frenchie, merci pour EG, pour Sorizou, pour Mimine, pour Miss Cookie, pour Gaël. Mais enfin, les amis, les bébous. les notifs qui n'ont pas le temps de suivre, JPP, mais enfin, mais, ça y est, ça chiale. Mais Alice, merci pour Cindy, pour Mathilde, pour Lily, pour Eram, pour Greg, mais, la folie c'est nous de fou, vous êtes trop en forme là. C'est quoi ça? Non mais... Du train en PLS chez moi, tellement il n'arrive pas à suivre, je te jure, c'est trop. Oh my god, non mais... Merci. Et Alessa Rochelle, c'est beaucoup d'émotions, oui. Non mais c'est trop. Mais Coco. Coco, elle aime bien quand je pleure, je crois. Merci pour Ava, pour Julia, pour Vanou, pour Bulle de Nuage, pour Loulou, pour Gaëlle, pour Candide, pour Julie. Mais vous faites quoi? Merci infiniment. Ouais, choc béton de baiser là. Comment ça, niveau 6 terminé? Ma belle m'a glissé une petite enveloppe. Oh, la belle-mère, elle est trop chou. Dans la main, quand je suis partie hier, on dit merci. Tomoko qui finance la chaîne. Oh, elle est tellement chou. C'est trop chou. Arrêtez, je pleure.
Diana, merci infiniment. Merci Diana. Coucou qui a fait 543 subs, c'est une dinguerie. Genre quand tu vois le nombre comme ça. Et coco. Oh non. Merci pour Sacha, pour Amy, pour Witch, pour Rubal, pour Alexis, pour Perlinka. Mais coco, j'aime bien les nombres ronds, JPP. Oh my god. Merci infiniment. Non, vous êtes trop. C'est une dinguerie, wesh, le train de la hype, niveau 7. Oh merde, pardon, j'ai cliqué. Non, mais c'est trop. Mais tout le chat va être sub, bah je te jure. Pardon, j'ai quitté l'écran de jeu, du coup ça a tout fait capoter. Oh my god. J'ai redépassé Tissemba. C'est le record. Je sais plus. Non, je crois que le record c'est niveau 11, je crois. C'était pour mon anniversaire, vous avez fait des falls de zinzin. Niveau 8 carrément, mais ça va pas bien. Coco, elle a contribué avec 20 subs. Ça va pas. T'as de la chance, j'ai pas encore eu mon salaire. J'y vais pas. Niveau 11, ah ouais, voilà, niveau 11. La dingos. Non, mais niveau 8, là, vous êtes des fous. Merci infiniment. On se retrouve à la prochaine manche. Arrêtez les filles, non. Elle lance pas, elle en est capable. Oh, merci infiniment, merci beaucoup. Même la Sims s'est choquée. La Sims, elle est en mode... Coco ? Tissem ? Tiala ? Diana ? Yele ? Alice ? Frenchie ? Rouge ? Vous faites quoi ? Léa est là ? Pour se rapprocher du record, ma vie. Merci beaucoup. Vous êtes trop chou. Non, j'ai les larmes. J'ai les larmes. C'est comme ça qu'on commence la matinée. Ça va pas bien. J'ai jamais fait du bonjour. Avec plaisir, Perli. Enfin, je dis avec plaisir. c'est qu'avant ça. Je te jure, vous êtes juste trop fort. Vous êtes juste trop fort. Vous en choquez, Eddie. Pourtant, il en faut beaucoup. C'est beaucoup d'émotions, franchement. T'as un nouveau badge, Léla, incroyable. Un chouette dimanche matin, oui. Un chouette dimanche matin. Tout ça, c'est grâce à vous, j'ai envie de chialer. Non, allez, admettez, ça fait longtemps que j'ai chialé en stream. Très longtemps pour une Kali. Il faut avouer. La bataille des classements, j'adore, j'y pèpe. Non, mais vraiment, merci infiniment pour votre soutien, pour votre présence, pour votre amour. Pour tous les rires, pour tout le love. Pour tout quoi. Franchement, la vie sans vous, on n'en veut pas. J'en veux pas. Réel, ça fait longtemps. Oui, non, premier dog, ça fait longtemps. Ça fait genre. Allez, deux jours. Non, en vrai, ça fait longtemps. Merci Coco. Merci à tous. Merci infiniment. Vous êtes trop chaud. Merci beaucoup. Train de la hype niveau 8. Ça va, Shrek? Merci infiniment. Comme ça, c'est bien, du coup, j'ai pas résumé. vous aimez trop, j'ai remarqué, c'est toujours pendant mes résumés. Comme ça, je les recommence depuis le début. Merci infiniment, merci beaucoup, mes vies. Merci, je sais pas quoi dire. Je suis choc béton de baiser, comme dirait une certaine Emma. Je ne sais que dire d'autre. Ah ouais, le bal 5K, beau palmarès, ça, madame. Résumons le résumé. Donc ouais, Eiji et Praganate, ça on l'a bien compris, de Kenji, lors de leur nuit torride, où il n'y avait pas d'électricité. Malheureusement, au réveil, elle a découvert un Polaroid de lui avec sa meuf, sa femme, dans leur tenue de wedding. Du coup, elle était choc béton de baiser, donc elle est partie. Et merci Namaeli pour le follow, bienvenue. Installe-toi bien confortablement, Hung. Et depuis, elle l'évite un petit peu, même s'ils se sont croisés quelques fois. Bon, après, là, c'est pas encore visible qu'elle est prégnante. Et elle l'a découvert il y a pas très très longtemps. Donc d'ailleurs, elle a découvert le jour où on en a parlé à Kendall. Voilà, c'était assez récent. Elle a refait depuis 2 millions de... Sagaji, exactement. Elle a refait depuis 2 millions de tests de grossesse, etc. Bon, voilà, la nausée, tout ça, c'est un peu plié, quoi. Hello Namaeli, comment tu vas? Bienvenue. On se tient un carreau maintenant, non mais de fou. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup voilà, là ça y est, elle a fini les travaux de la clinique veterinaire. La grossesse est encore en train de grossesser.
C'est ça. La grossesse est en train de grossesser tranquillement. Et du coup, là, elle va pouvoir... Enfin, elle va pouvoir... Oui, elle va devoir se mettre à bosser puisque la clinique est enfin prête à... Ah, merci infiniment pour le train de la hype. Ouais, merci, vous avez des nouvelles icônes. Hein, des nouveaux émoticônes. Pourquoi j'ai icônes? Si tout à l'heure j'ai parlé de Ginter, c'est parce que j'avais déjà oublié son nom. Attends, j'ai trop pensé à toi. C'était hier, j'ai regardé un film. Et c'était... Oh putain, le film par contre, il était... Je sais pas si vous l'avez vu, c'est Iron Claw. C'est avec Zac Efron, Jeremy Allen White, donc qui joue dans Shameless. Qui c'est qu'il y a d'autres? Bref. Coucou Chandelle, comment tu vas? Et il y avait énormément, donc c'était 5 frères ou 6 frères, il y avait énormément de prénoms en K. J'ai trop pensé à l'air parce que j'étais confuse. Kevin, Carrie et tout ça. Tu l'as vu, Frenchie? Il est infiniment triste. Genre, à la fin du film, on pleurait tous les deux avec Ramon Sagan en mode « Comment veux-tu aller au lit sur ça ?» Il est horrible. Iron Claw, attends, je te l'écris dans le chat. Iron Claw, comme ça. Oui, comment j'ai pleuré. Ah non, mais vraiment. En gros, je vous raconte, sans vous spoiler, hein, bien sûr, c'est l'histoire d'une famille qui fait du... comment on dit en français? Wrestling. La lutte? Non, du catch. je sais pas le mot exact en français. Non, du catch, oui. Et du coup, en fait, de base, nous, on pensait que le film, c'était un peu sur la lutte catch. Ouais, c'est ça. Et du coup, on pensait de base que c'était juste l'histoire de la famille, tu vois... Comment ils ont réussi à devenir des champions, tu vois, et à être aussi connus, etc. C'est une histoire vraie. Et du coup, en fait, c'est sur ça, tu vois, c'est sur leur ascension dans ce milieu-là, mais c'est aussi et surtout sur les déchirements que la famille vit et traverse, quoi. Et la fin, elle est... Je vous spoil pas, surtout si vous voulez le voir, ou si vous connaissez peut-être déjà l'histoire, puisque c'est une vraie... Une histoire vraie sur cette famille-là. C'est horrible. Genre, c'est horrible. Moi, je m'attendais absolument pas à ça. Moi, Rob, il m'a dit ouais, t'as vu ce film, machin. J'étais en mode bah non, bah vas-y. En plus, moi, j'aime bien le casting, tu vois, Zac Efron, Jeremy Allen White. Coucou, King Dragon, comment tu vas? Bienvenue. On regarde sur quoi? Alors, moi, je l'ai téléchargé légalement. Donc, je sais pas où on peut le voir. Franchement, je sais pas. Mais je l'ai trouvé sur internet, voilà. Et ouais, j'étais en mode, bon voilà, j'ai fait du coloriage en même temps, tu sais, voilà, petit film tranquille. Comment ça, petit film tranquille? Non. J'ai entendu parler de ce film, j'ai voulu regarder, et comme j'avais oublié le nom, j'ai regardé Foxcatcher à la place. Léa est là en un message. Iron Claw. Non, mais je te le conseille malgré tout, enfin, je vous le conseille à tous, c'est un très bon film. Par contre, Trigger warning, ne vous attendez pas à un petit film sympa du samedi soir, quoi. Genre, wesh, il faut venir avec sa boîte de mouchoirs, et moi, j'y étais pas préparée du tout, quoi. Petit crush dessus, j'avoue. Ah, ouais. Mais moi, il est petit, très petit, c'est pas trop mon del, mais ouais, il est chou. Et Zac Efron, il est méconnaissable dans ce film, avec cette coupe de cheveux et tout, ça me termine. Canon a eu, mais je sais pas comment on peut le régler, ça doit se nier sur HQ. C'est quoi, j'ai pas vu, du coup. Ah oui, un mode, ouais, ça peut être un mode, ouais. Mais voilà, donc ouais, ce petit film, pourquoi je racontais ça? Ah oui, parce qu'il y avait plein de prénoms en K. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est qui? Parce qu'elle a dit genre, ouais, faut appeler Kevin. J'étais en mode, attends, c'est qui Kevin? Parce qu'il y a aussi Kerry, et il y a aussi Coco, et il y a aussi... Et j'étais en mode, putain, je suis comme Léa, là, ça y est. Trop bien, c'est à la place de Zac Efron, il y avait Channing Tatum. C'est moi. Je vois. Sinon, pour pleurer, il y a La La Land ce soir sur Arte. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ton Be Real. Ouais. Tan 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 tan. Ma maman, quand j'étais petite, elle nous avait téléchargé par accident Blanche-Neige et les 7 nains. Mais j'ai remarqué, en fait, Coco, tu dis que t'as détesté La La Land. En fait, c'est toujours. C'est satif. Non, j'ai chopé la Léa là. C'est toujours La La Land, c'est toujours soit tu adores, soit tu détestes. Y a pas vraiment de in-between, tu vois. C'est pas en mode. Je suis neutre. C'est soit j'ai trop kiffé, j'ai envie de le revoir, soit j'ai détesté ce film. Genre vraiment, il n'y a pas de in-between. Merci. C'est dire, Alice. J'y pète. Ouais, moi je l'ai vu à l'ancienne, il est sorti il y a longtemps quand même. Jamais vu La La Land. Ah ouais? Jamais vu ce film non plus? Ouais, voilà. Vous savez, j'ai l'impression que c'est très très tranché. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Ça va sans plus. Ouais. Moi je l'avais vu au ciné avec mon ex.
à l'ancienne. C'était genre 2017, un truc comme ça. Je suis neutre sur La La Land. J'ai pas sûr qu'il fait, mais... I'm not like that, d'accord. J'ai essayé, puis je suis restée 20 minutes devant. Ouais, tu vois, c'est... J'ai pas compris pourquoi ils ont fait une fin... Comme ça, c'était vraiment faire une fin triste pour faire une fin triste, parce que ça colle pas à l'histoire. Mm. Moi, ce que j'ai bien aimé de la fin, c'est que c'est réaliste aussi, tu vois. Genre, bah, des fois, tu te... Spoiler. Des fois, tu te sépares de la personne, et puis c'est tout, quoi. Genre, y a pas de... Tu te remets pas... Tu restes pas toute ta vie avec quelqu'un, ou tu te remets pas avec dès que tu la croises, etc., tu vois. Ouais, voilà, c'est, bah, pareil, moi, Léa, tu vois. J'ai trouvé ça réaliste, et c'est ça que j'ai bien aimé sur la fin. J'ai eu tout le film qui sont un peu tristes. Il me faut un peu de temps pour accepter de les voir si j'ai peur de pleurer. Là. Bah, du coup, Ironclaw, non. C'est impossible de pas pleurer. J'ai spoilé, c'était pas bien. J'ai spoilé un film qui est sorti il y a presque 10 ans. La pire. C'est un classique, c'est là-haut. J'ai jamais vu là-haut. Voilà. Les DVD prêtés par ma BF depuis des mois. Et j'arrive pas à motiver plus ça pour qu'on le regarde. Ah ouais? C'est le début. Pourquoi ils se mettent tous à danser sur l'autoroute? C'est ça. En vrai, le film commence. On était donc au Cinoche et je me dis, mais qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est noté, mais du coup, les films que je verrai pas. Par contre, ce qui m'a perturbé, c'est le début. Ouais, non, mais moi aussi de fou. Attends, j'ai loupé un message, mais je vois plus. Comment ma mère était pareille, j'ai eu beaucoup de zéros sur la fin, et pour moi, ça me semblait réaliste. Ouais. Parce que, genre, ta mère, elle aurait préféré, et toi, Coco, vous auriez préféré que la fin, ça soit genre, ils se remettent ensemble. Ils sont pareils, mais le chial m'a bien. Est-ce que les commandeurs dansaient sur le Shrek ou sur l'autoroute? Avec des tenues très peps, très colorées, très mignonnes. Aussi dessus, il a l'air super bien. Ah ouais, ça a priori c'est bien, ouais. Je l'ai pas vu non plus, mais ouais, Rob m'en a dit du bien. T'as aimé les comédies musicales aussi, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, moi, ça me dérange pas spécialement. Mais c'est vrai que, bon, des fois, ça sort un peu de nulle part, quoi. Genre, la scène autoroute, je suis d'accord que t'es un peu en mode... Par contre, la scène où... Attends, ils sont à une fête ou je sais pas quoi, là. Et après, ils marchent en chantant. Ça va, ça, tu vois. C'est bien, mais c'est intense. Ah ouais. Je comprends, Alice. Je place, c'est trop bien. Bon, bah, je le note, alors. Ok, je note. On dit la même chose. J'y pep. En attendant de se regarder des petits films, on va retrouver notre petite Eiji. Alors, pour des soucis de practicité, elle est dans le foyer de Kenji. Évidemment, ils ne vivent pas ensemble puisqu'elle vit dans son petit appartement juste au-dessus qu'on a rénové tous ensemble. Donc voilà, elle vit ici. Elle ne quitte jamais ce terrain-là. Mais c'était plus facile de la laisser avec Kenji dans ce foyer-là. Voilà. Imagination, hein, on connaît imagination. ne pas regarder quand je suis déjà intense, ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai raté? Non, Bine, on n'a pas commencé à jouer aux Sims encore, on papote. En fait, ça me fait penser, vous savez, à cette série où les histoires Wattpad où les héros sont amoureux, ils n'ont aucune raison de se séparer ou d'avoir des problèmes, mais l'auteur se fait se prendre la tête, donc se sépare, aucune raison, juste pour faire chier. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça aussi, c'est pareil. D'un côté, je trouve que c'est réaliste, même si des fois, j'avoue que ça peut être tiré par les cheveux. Mais c'est réaliste des fois que juste, bah en fait, c'est pas le bon moment pour être ensemble ou je sais pas quel bail, et du coup, t'es plus avec quoi. Genre, oh là là, tu pars en vacances un mois loin cet été, mais comment notre relation pourrait-elle survivre, séparons-nous et drama pendant 10 épisodes à cause de ça? Oui, alors ça, ouais, non, ça c'est une dingosse. Ça c'est une dingosse, ouais. Parfois, on s'embrouille pour n'importe quelle raison. Ouais. Moi, c'est pas tellement cet aspect-là qui m'a dérangé dans le film, quoi. Quand t'as des personnes comme ça, je pense qu'on a du mal à l'imaginer quand on ne l'est pas. Ouais, non, c'est sûr. C'est le genre de truc qui m'énerve, moi, c'est vraiment créer des problèmes pour créer des problèmes. Ouais, de fou. Après, je pense que le fond était pas mal, genre, bah, tu vois, la vie fait que on se sépare et puis après on se recroise et on est plus, on se met pas ensemble quand on se remet pas ensemble. Donc ça, c'était la partie réaliste. Après, peut-être que, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai vu le film, mais que ça a été mal amené, quoi. Mais pour des adultes, bref, ouais, je te jure. Bah, non, mais ça, c'est vrai, hein. Moi, je me souviens, au collège, ça, tout le monde se break up avant l'été ou pendant l'été, hein. Et à la rentrée, c'était awkward.
c'est fou d'être ado. Mon élève et faire du coloriage mon élève. Ah bah, comme tu veux Manon, hein. Je pense que les deux sont sympathiques. Donc, est-ce qu'on ouvre la psy clinique? Pourquoi pas, hein. En plus, j'ai installé des gens avec des animaux à Chestnut. Donc, j'espère que... pour l'instant, zéro étoile. Hein. Pour l'instant, zéro étoile. Hein. Enfin, une étoile, mais voilà, on n'a pas encore ouvert. J'espère que c'est fonctionnel, ça va bien marcher. J'ai verrouillé cette porte-là, voilà. Personne ne peut aller chez moi. J'ai verrouillé les autres portes aussi des autres commerces à côté. Vous venez juste à la clinique. Hein. Voilà, voilà. Yuki, bienvenue, bienvenue. Au final, on a résumé, j'ai oublié. Ah oui, j'ai résumé. Tu veux que je re-résume? Tu veux que je re-résume, Marianne? On espère des blessés. Bah, c'est ça, ouais. C'est un peu ça. À construire dans ta galerie. Non, parce que de base, c'est pas moi qui a construit ça. Donc en fait, je peux te donner le nom si tu veux. De base, ici, c'était un bar. Et il y avait un appart ici, ouais, et ici c'était vide, c'était une petite, je sais plus comment on appelle ça, et mezzanine, voilà, et du coup nous on a transformé tout ça, donc je préfère pas le mettre dans la galerie vu que c'est pas moi la créatrice, la OG créatrice. J'ai oublié le créateur, je peux le donner, hein. Je pense que je l'ai en cours, hein. Ou alors même je peux faire la technique que Chandelle m'avait dite là, genre j'enregistre... In the gallery, enfin dans ma bibliothèque plutôt, et en théorie, ça me dit qui a créé de base. Je suis nulle en construit. Ah bah alors là, je relate. Franchement, je relate. Alors, c'est Christina Maria 80. Ah, ça me dit un truc maintenant. Ça me dit un truc. Vous voulez que je l'écrive dans le chat? J'écris. Ouais, ça fait un écran noir à chaque fois que je quitte. Hein. On connaît. Christina Maria 80. Hop. Voilà, voilà. Tac, tac, voilà. Donc ouais, évidemment, dans sa galerie à elle, ce n'est pas une clinique vétérinaire, mais un bar. Qui est très sympa, hein, d'ailleurs, si on veut se servir d'un bar. Nous, on voulait une clinique. ok. Donc, vous vous souvenez, donc ça, c'est la petite clinique. Oh, je crois que j'ai déjà montré l'appartement. Donc, on a la pièce de vie qui est avec vue sur la clinique. Et puis, ici, on a un petit couloir qui dessert la salle de bain. La chambre et une petite chambre, une petite pièce vide pour l'instant qui est encore en travaux. Est-ce que ça serait une chambre de bébé? Potentiellement, probablement. La mamie de Vaiana. Ah ouais, Moana de fou, de fou, de fou. Trop chou ce film. ok, alors je vais ouvrir la clinique. On va voir un petit peu. Petite journée de boulot. Coucou, on espère des animaux malades, c'est pas très sympathique. Ouh là là, couchal. Qu'est-ce que c'est que cet outfit, ma belle? Oh, qu'est-ce que c'est que cet outfit? Ah mais oui, on est en automne, j'ai fait une tenue d'été, moi, un peu. Pour le taf. C'est pas grave. Oh, cette chaise nutrie, j'y fais pas froid non plus. Allez, mets-moi ça là. On n'en parle plus. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, madame. Nicole. Il est où, ton animal? Ah, oh, c'est un petit chat. Bon, évidemment, on n'aura pas de chevaux, on n'aura pas de biquettes, tout ça, on le sait. Pas de parmesan en poudre, quel giga banger, quand même. Les pâtes, c'est un banger, de toute façon, tout court. Hein. Bon, après, il faut l'agrémenter, mais je veux dire, un plat avec des pâtes, c'est forcément un bon plat. Oui, c'est Kenji et ses animaux. Aller dans le foyer de Kenji, ça sera plus pratique. Mais, en fait, elle vit pas avec lui, elle vit dans son appart. Imagination. Alors, on va. Kaku, kaku, la plus amicale. Attends, je peux accueillir un patient chaleureusement. Et voilà, on va faire ça. Elle est un peu déglingo, celle-là, là. Nicole, en soignant un patient. Je n'ai jamais vu Chito agir de la sorte auparavant. J'espère que c'est temporaire. Que c'était temporaire, pardon. Mais cela ne fait qu'empirer. Je vous en prie, faites quelque chose. Il n'y a pas de souci, ma petite dame. Du parmesan et sacrementé, c'est juste trop bon, quoi. Ouais, non, mais de fou, de fou, de fou. Hop, ok. Alors. Viens ici, ma bande. Mais pour cet outfit, non. Mais pourquoi? Je t'avais fait une giga outfit. La façon de vivre de Jane Austen, c'est sympa pour bien plus réussir. Ah ouais, ça c'est vrai, Bine.
un peu crazy. She's so crazy, love her. Le même. Allez, c'est super. Nicole, tu viens pas, Nicole? Ah ouais, ramène ton fiac, Nicole. Hein. Ouh là là, les puces. Alors, on va calmer le patient. Ah, on peut pas. Super, ça commence bien. On va examen... inspection de la peau fourrure. Bah là, il y a quelque chose qui se passe, là. Là, je te le dis, moi. Là, il n'y a pas besoin d'une loupe pour voir les puces qui sautent, hein. Oh putain, attends, il y a le mec du nectar. Si tu souhaites vendre ton nectar, fais maison, je l'achèterai volontiers pour un prix supérieur à la normale. Oui, mais d'accord, ma vie, mais là, tu vois, on est busy. On est des busy bees. On est vraiment des busy bees. Ok. Ah, faut que je continue là. Alors, examen. On va prendre la température. Déjà, on sait qu'elle avait des puces, ça, j'aurais pu te le dire avant. Je crois qu'on estime quand la table remonte, l'animal reste bien couché au milieu de la table. Jamais vu ça, RL. J'avoue. Qu'est-ce que... Ça a rien donné, là. Examiner la gueule. C'est parti me sécher les cheveux. Et aussi, je voulais pas être spoilée sur La La Land. T'inquiète. Je sais pas, frère, les yeux. Qu'est-ce qui t'arrive d'autre, là? Ouais, le chat est trop chou. Comment il s'appelle déjà? Chito. Ok. Oulala, mais attends, le traitement, là. Spray antiparasite, déjà, on va faire ça. En fait, pourquoi je m'embête à... Wesh, le chat! Détends-toi, le fiacos. Attends, je vais l'apaiser. Chut. Tout va bien. Oh, il est trop chou! Et des puces, il n'y a rien d'autre à découvrir. Ouais, d'accord. Je croyais qu'il y avait d'autres trucs à découvrir, mais en fait, non. En fait, non. Là, je peux ou pas? Ouais, il est calmé, c'est bon. Ah ouais, en fait, le stress augmente plus je l'embête, quoi. Oh, biche! Maladie soignée, voilà. AG, bénéfice des services, moins 25%. Mais c'est super, ça! Moins 25, simple. Mais c'est vraiment super, ça! Facturer le proprio. 125 balles. Ah, ça y est, il m'a payé. Ok. Quelqu'un d'autre? Bon, après, on va pas se mentir, AJ. Je rêve où? Ma porte! Heureusement, c'est accessible quand même. La porte, wesh! Mais pourquoi? Mais comment? Ah, c'est juste cette pièce-là, en fait, qui est en hauteur. Je vais la baisser. Ok. Comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Anyway. Ouais, donc je disais, c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde non plus à la clinique. AJ vient de commencer. Et en plus, c'est une femme avec une clinique rose. On les connaît, les boucles de Chestnut Ridge. Hein, ils sont en mode puf. Puf, puf. Ok, le jeu. Non, mais je te jure, il y avait une plateforme, ouais, mais... Bah, on l'a pas mise volontairement, donc je me souviens pas pourquoi on a fait ça. Ouais, il y en a qui sont déjà stressés en arrivant aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste, je te jure, c'est trop. C'est ultra réaliste, en vrai. Ouais. Elle a un petit décalage, il est 19h chez elle. Oui. Coco est au Japon. Et en vrai, les pâtes à 10h45 du matin, ça m'est déjà arrivé, c'est très bon. No judgment. No food shame. Bonjour madame, vous n'habitez pas du tout à Chestnut? C'est ça qui me fait plaisir, moi. Olivia. Bonjour. Waouh, regardez ce qu'elle a dit. Waouh, cette clinique vétérinaire est magnifique. Ben oui. Franchement, oui. Accueillir un patient chaleureusement. Franchement, oui. Il est où le patient? Ah, il est là. Oh, Biboun! Encore un petit chat. Comment il s'appelle? Phoenix. Trop chou. Ah, c'est une petite chatte. Patiente. Phoenix, c'est tout pour moi. Elle va très mal ces derniers jours. J'apprécierais énormément que vous puissiez l'aider. Mais bien sûr, ma petite dame. C'est avec grand plaisir. Attendez que je me lève à 4h le matin. Ça serait vraiment pas impossible que je me tape une assiette de pâtes à 10h. Mais de fou, hein. Ça me choque pas, moi, ça m'est déjà arrivé. Il est encore là, le petit Chito, là, bah alors. Chito, faut rentrer, hein. Faut rentrer à la zonzon, hein. Nouvelle girl de AG. Je te jure, il y a moyen, hein. Des pâtes au sucre, oh my gosh. Je ne peux que penser à Super Dani en lisant ça. Phoenix? Tu raboules ton fiacos? Ouais. Tu peux t'en aller, Chito, s'il te plaît?
Qu'est-ce que tu bouines là ? Tito, il a tellement apprécié la consultation, il en veut une deuxième, je te jure. Tito, wesh, c'est bon ? Alors, là, clairement, on a la tête qui... Phoenix ? Phoenix, ma vie. Intervention déjà en cours, bah... Mais il veut bouffer, mais non, mais Phoenix. Phoenix, on mangera après, d'accord ? Il a dit non. Il a dit non, moi, je me tire. Je me tire. Je reste avec mon mal de Kranos, là. Attends, il y a quoi comme truc ? Commencer l'examen ? Bah ouais, ça serait chouette, en fait. Les animaux capricieux, hein. Très réaliste, ça aussi. C'est mon chien quand il voit le vétérinaire. Allez, vas-y. Allez, Phoenix. C'est bon, là. Mais c'est... Je vais péter un Kranos. Plus de choix. Calmer l'animal. Non, non, je veux... Intervention déjà en cours. Pas possible. C'est bien, on va y passer la journée, Phoenix. Grâce à toi, j'aurais bien gagné ma journée. Il est où ? Madame, dites-lui quelque chose. Madame ? Laissez partir le patient. Non, 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 je voudrais l'engueuler. Oh ! Réveillé, Phoenix. Il dort, wesh, le type. C'est bon, là, on est où ? Ça fait ça, c'est un bug. Mais bien sûr, c'est un bug. Hein. Tu peux just go away, Chito ? Je pense pas. Je peux pas cliquer, ça fait genre il est parti. c'est réaliste, commencer l'examen. C'est réaliste, t'inquiète. Tu peux reset. Tu veux dire reset En fait, c'est quand je suis passée en mode construction pour enlever ma plateforme, non ? Je vais passer en... Je vais aller sur la map. Oh, ce jeu. Non, vraiment, il m'aura tout fait aujourd'hui. Si le veto, il veut juste se barrer de la table de question. Mais c'est ça. D'un côté, c'est réaliste, tu vois. Ça nous plaît pas pour ce qu'on voulait faire, mais c'est réaliste. Paf. Vas-y, retournons-y. C'est Charou qui nous embête. Ah ! Ok. Faut que j'arrive à le virer, lui, alors. Il est peut-être parti, là ? Oui, c'est bon. Et Jay a changé de coupe de cheveux ? Elle avait pas une tresse, il y a 5 minutes, si ? Je comprends plus rien, moi. J'ai l'impression que le jeu compte sur la table de scolation. Ah, c'est ça. Coucou, Lutile ! Elle a ressorti son bide aussi. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Oh là là, il est très stressé. Attendez, calmez le patient. On va apaiser l'aliment. Kakou kakou, ma petite phénix. Calmons-nous. Exam. Alors, on va inspecter les oreilles. J'ai juste conscience de mes vacances, on va pas le fier qu'on aura après les besoins. Je te jure, ouais. Alors, léthargie. Extrême. Là, j'en ai d'autres à trouver. J'en ai deux, c'est ça. Prendre la température. Je pense qu'il y a un peu de fièvre, là. Rythme cardiaque lent. Oh ! Béboune ! Bah ! Non, mais là, là ! Là, c'est trop, là ! Ouais, énerve-toi contre le chat, là. Il se tire. Mais... Je pète un Kranos. On va pas y arriver avec ce chat. Approprié avec Zoudou, passage auto-éjab direct. Mais reviens. Mais reviens. Commencez l'examen de Phoenix, ok. Madame, votre chat est vraiment très difficile. Ouais, 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 non, j'avoue, là, j'ai mérité un petit pourboire. J'ai mérité un petit pourboire. J'ai mérité un... Partez pas. Partez pas.
soit c'est un enfer quotidien, ouais, de fou. Bon, bah d'accord. Ça va, vous, sinon? Elle est en colère? Ben ouais. Ben ouais, en fait, ouais. Il se casse, en plus. Ah non, mais même pas de pourboire, mais là, bah super, bah vous, on se revoit bientôt, alors. C'est génial, hein. Quelqu'un d'autre? Ouverte depuis 7 heures, hein? Impatient. Purée de patate douce, vous êtes vraiment pas sympa avec elle. Hein. Vas-y, je ferme. Hein. Point amélioré, niveau de stress. Essayez de calmer l'animal. Mais vous rigolez là, j'espère. Qualité de service. Hey, je suis pas venue, c'est pour souffrir, okay. Ah ouais, mais là je souffre. Hein. Temps d'attente, votre clinique vétérinaire a des temps d'attente très courts. Bah oui, y a personne en même temps. Gagner 125 balles, ça va. ça va. Qu'est-ce qu'on en dit? Ça va. Je vais la réinitialiser parce que là, elle m'a saoulée. Est-ce que tu peux faire fabriquer des friandises? Caramel de marais. Fabriquer avec l'eau d'un marais non filtré, cette friandise à mâcher ravira votre chat, votre chien et aura d'autres effets. Ah ouais? Pâte à mâcher à la cannelle. Mais pourquoi ça me donne faim? Caramel des marais, là, un peu envie, hein? Pas juste pour la partie caramel, je pense, hein? On veut laisser le chauffant et tout là. Gadget à balle. Oh putain, qu'est-ce qu'elle nous fait? J'ai jamais utilisé, c'est la première fois que j'utilise ce truc là. J'avais jamais fait de médoc avant. Petit caramel beurre salé, ça c'est bon ça. Oups, pardon, j'ai quitté le jeu. C'est bon ça, le caramel beurre salé. Donc Askip, elle est heureuse. Mais le jeu est planté. Mais. Oh, je vais péter un crâne. C'est bon? Ouais. Askip, elle est heureuse d'être enceinte? Bébé en route. Raison a fait crac-crac. LJ veut des enfants et se réjouit de l'arrivée prochaine d'un ou d'une petite Sim dans le foyer. D'accord? C'est une veto ou une scientifique? C'est tout. C'est tout à la fois. C'est une Barbie, après tout. Elle peut tout faire. C'est Barbie. Pardon, KG veut le garder. Bah, j'ai bien l'impression, ouais. J'ai bien l'impression. Ça y est, là, c'est fait, ton truc? Ah non, c'est en cours. Ah, mais c'est long! Purée, elle est qu'au début! Oh là là! C'est vrai, c'est vrai. Eh ouais. Un jour du monde, on peut dire combien d'enfants on aimerait, dire si on veut pas d'enfants et tout. Ah oui, c'est vrai, faut que je mette le mage à jour. Le mage à jour. Faut que je mette le mode à jour, faut que je fasse la mage. De fou, de fou. Elle a un petit creux, on va aller manger après. Ouhou. Ok, on va s'occuper de ça après. C'était son premier jour de clinique. C'était pas si mal. La trad n'est pas encore dispo de toute façon. Ah, ça va. C'était pas si mal. C'était pas si bien, c'était pas si mal, ok. Client de la journée, un client et un caramel, c'est ça. C'est ça. C'est y est, c'est fini? Oh my gosh, mais ça fait plein de trucs, attends. Pâte à mâcher à la cannelle. Ah oui, c'est vrai, j'en ai fait deux. Alors, je peux les mettre là-dedans, du coup, maintenant. Ah oui, d'accord. Ça, c'est quoi? Friandise pour cheval qui fait vieillir. Bon. Ok. Déchets recyclés. Du popcorn gâté. Ah putain, à l'ancienne, c'est vrai, ils avaient fait du popcorn. Ok, qu'est-ce qu'elle a, là? En manque de fête. Oui. Tu veux aller en party? C'est possible, hein, en théorie. On va aller s'occuper un peu des besoins, là, parce que c'est la PLS. Petit pipi. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, elle a fait quelques tests, ça traîne dans la poubelle. Petit test de grossesse, la petite boîte et tout. Voilà. Faudrait pas que quelqu'un tombe dessus. Non, mais ça serait fâcheux, quoi. Ça serait fâcheux. Je serais trop avec vous, wesh. De fou! J'avoue, on a corrompu rouge. On peut ajouter ça sur nos CV parce que franchement, c'est pas facile. Hein. Coucou Quidkeys! Comment tu vas, ma belle? Voilà, là j'ai eu graille un truc. Pas une grande chef, hein, on a dit. Hein. Dîner. Fusion, chili végétarien, beignet de saucisse. Je sais pas moi. Macaroni au fromage, je pense que c'est dans ses compétences. Ça va pas nous faire cramer l'appart comme ça. Merci Wendy pour le follow. Quelqu'un? Le géniteur? Ouais, le géniteur, ouais. Dont j'ai oublié combien le nom. Ken, tu peux pas te tromper, c'est Ken. Si elle, c'est une Barbie, lui, c'est un Ken. Comment
Comment ça va, les kings, les queens and les kings? Ça va et toi, ma belle? Je prenais des bains sans me laver avant, genre que je rentrais sale dans l'eau de mon bain. Je l'ai tellement trigger ce jour-là. JPP. Vas-y, mange. Mange. Ah, c'est bon, elle mange. My bad. J'ai été impatiente. Il est trop chou, son petit appart, en vrai. Hein. On a bien choisi les couleurs. Par contre, je suis... Ah oui, j'ai bien mis une... Tu veux pas manger devant la téloche? Regardez la téloche. Faut que tu prennes une douche avant ton bain. Putain, mais si je suis fait troll par B-Real hier avec leur une seconde de retard. Putain, j'avoue, j'étais mort de rire. J'étais mort. Vraiment une seconde de retard, quoi. Mais B-Real, c'est possible. J'avoue, hein. Franchement, je pense que tu te sens bien. Après, peut-être qu'à la longue, ça fait un peu trop... ça fait un peu trop chalet, tu vois. En tout cas, pour moi, je pense que ça me chaletterait un peu trop. Mais j'aime bien le doux rose et tout, c'est sympa. C'est sympa. Après, bon, évidemment, en tant que daronne, là, moi, je me dis, bon... Voilà, j'imagine mon fils coincer sa tête dans les barreaux, c'est mort. C'est mort. Pourtant, je pourrais être dans la maison. Attends, je me surpose. Kira dans les toilettes, quand tu vas aux toilettes, tu enfiles les pantoufles des toilettes qui sont faites pour rester dans les toilettes. Ouais, c'est vrai, quand tu m'avais fait un appartement tour, j'avais vu. J'en suis atteinte, et puis d'ailleurs, avec les mêmes pantoufles. Putain, mais effectivement, je n'ai plus accès à TDV vu que mon abo au PS Game. Ah oui! Ça, on s'en doutait un peu, ouais. Pour des vacances. Ouais, pour des vacances, c'est une bonne idée, ouais, j'avoue. J'avoue. C'est pas mal. Du coup, elle a sa tenue de taf et tout. Je pense qu'elle va aller se prendre une petite douche. Histoire de... Très heureuse! Une nouvelle vie en moi, grossesse. Ah ouais, non, mais d'accord. D'accord. Je voulais quand même... Je pense que du coup, c'est plus possible maintenant, mais... Il y avait un truc tout à l'heure, mais a priori, ça a changé. Il y avait un truc genre, aller faire une prise de sang pour être sûre, tu vois. Et je voulais faire ça, mais a priori, elle a évolué dans sa grossesse, puisqu'on peut plus le faire. Génial. Super. Merci, Camille, pour le follow. Bienvenue. Moi, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il faut baisser le ouvrage des WC avant de tirer la chasse. Trop heureuse, ça va vite déchanter, non? C'est trop heureuse pour être vraie. Ouais, tu vois, là maintenant on peut aller à un cours de préparation et tout. Alors que moi de base, je voulais que. Ah ouais, elle est en PLS. Je voulais juste qu'elle aille faire une prise de sang pour être sûre d'être enceinte. Mais bon, voilà, là ça commence à être un peu obvious. Hop, ok. Ouh, on lui laisse un peu d'intimité. Et du coup, après, social. Bon, bah, elle va peut-être appeler un peu ses copines. Elle va peut-être un peu appeler ses copines. Appel vidéo. Elle appelle sa daronne. Elle va appeler Kendall. C'est vrai que Barbie, c'est Andrews. Maintenant, son nom de famille, je viens de voir ça, là. Je suis mort. Ça fait sens. C'est ça en fait. C'est que ça nous confronte à nos propres bêtises, à nos propres routines un peu bêtes qu'on suit parce que c'est comme ça. Vu le temps qu'il peut y passer. À chaque fois que je vois des shorts et des B-reels comme ça sur ça, bah elle les appelle carrément dans la douche, wesh. Non mais ça va. Ça me fait trop rire. Genre, tu sais, tu vois le mec. Le réel en question, c'est genre le mec qui rentre dans les toilettes et t'as la meuf qui a le temps de ranger la maison, faire cuire une tarte, tatati tatata, et le mec est pas sorti encore. Quand t'as un bouc qui fait caca pendant 35 minutes tous les matins. Oh my god. C'est trop. Social, il est toujours pas augmenté, là? Discuter avec... Barbara, du coup, maintenant. Mais oui, j'ai vu cette affiche. C'est so réaliste. Hop. Bon, je pense pas qu'elle va aller en club. Elle se sent un peu barboche, je crois. Il y avait un truc. Ah, c'est environnement déplaisant. Oui, c'est un peu sale, ouais, mais bon. On va attendre pour la vider. Que quelqu'un tombe dessus. Le mien, c'est matin et soir. J'ai pépé.
Ouais, vas-y. Et après, tu vas aller au dodo, hein. Coucher à 9h, elle a bien changé, hein, la petite Eiji. Elle a bien changé. Ah mince, attendez, j'ai cliqué sur votre écran. C'est trop chiant, ça. Je comprends toujours pas pourquoi mon shade fait ça. Donc là, ce que je vous ai pas précisé, c'est que Eiji, en fait, elle fait la gueule Bubble à Ken. Mais lui, il sait pas pourquoi. Donc en fait, il se rend compte qu'elle l'évite un peu. Et il sait pas trop pourquoi. Tiens, ça va aller à 9h, putain. C'est ça, elle est là. Il sait pas trop pourquoi elle fait la gueule. Et en plus, il est pas au courant qu'elle est enceinte. Donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Donc il faudrait que... ils viennent à la clinique pour X ou Y raison, peut-être acheter des friandises ou je sais pas quoi pour ces animaux, et qu'ils puissent discuter un petit peu. Et peut-être qu'elle lui dirait genre, je sais hein, que tu es mariée, j'ai trouvé la photo en... Non. Et lui, il sera en mode, mais t'as fouillé dans mes affaires? Il va débarquer de fou, hein. Moi, c'est deux fois le matin. Je dis Pep, on va avancer un petit peu hein, jusqu'à la prochaine journée. Merci pour le follow Wendy, je pense. Merci beaucoup. Choc bar, choc béton de baiser, ouais. Ouais. Il faut là. Mais pourquoi ça avance pas vite? Merci Nolwenn pour ton prime. Je peux dire bonjour et me réabonner au passage. Ah, merci beaucoup Nolwenn, comment tu vas? Mais pourquoi il y a quelqu'un sur le terrain là? Pourquoi c'est si lent? Who's there? Ah si, il y a quelqu'un là. Mais non, le pauvre chat malade. Phoenix. Je peux pas le faire partir? Partir en rabbit hole. Non merde. Je peux pas le just go away? Chasser? Retirer de la famille, mais il est pas dans ma famille. Wesh. Va savoir. T'inquiète, il renaîtra de ses cendres. Quoi? Quoi 9000000? Ah 9000. Ah. J'étais en mode attends c'est quoi. T'as bien fait, j'avais mis un 0 de trop, j'ai pépé. 9000 followers, trop mis. OMG. Road to 10k en fait en... T'inquiète, il renaîtra de ses cendres. J'ai pépé, j'avais pas vu ça. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer le... Oh elle est trop chou dans cette petite tenue avec son petit bidou. Trop chou. Oh my gosh. La route tous les 10K. Pam pam pam. Mais elle y va. Mais non, pas toi. Pas toi MV. Pam. Faites les oies. Vous êtes trop chou, merci beaucoup. Il est quelle heure? Il est 5h du bar? Ah ouais. Elle a envie de faire pipi en plus. Et à la fin. Tu nous as fait changer nos vies. Et on t'adore et belle Yves, croire en nos rêves, merci Yves, tu m'aimes, on t'adore. Vas-y, je te jure, t'adore. Merci beaucoup, merci à vous, c'est très chou. Et allez, ça rechiale. C'est intérêt communautaire que le temps passe lentement. Ah, t'es peut-être into something là, Léa. Oulala, fringale, nourriture grasse. Environnement déplaisant, à faim. Prendre le petit déj en... C'est pas très gras tout ça. Pain perdu. Kali a 15 ans, je reconnais. C'était moi, j'avoue tout. C'était moi.
Non, mais je savais déjà dire believe. Je disais pas believe. Mais ouais, j'avoue. On t'adore, Justin Bieber. Du pain perdu. En vrai, ça fait trop envie à chaque fois. Hein. Je commence déjà à avoir faim, il est quelle heure? 11h. Tu vois les pâtes à 10h47? J'avoue, ça serait passé comme une petite lettre à la poste pour moi. Comment ça, déplaisant, tu viens de Reno? Non. Ah ouais. Attends, environnement déplaisant? Oh la foufou, elle hein. C'était ton destin de finir avec un anglais, du coup. Mais je l'avais dit ça ou pas? Vous êtes au courant que j'avais un crush sur le corresse anglais du collège? Il s'appelait Nayol. Et je parlais de lui dans mon journal. Et du coup, j'avais lu il n'y a pas très longtemps, mais si, ça je vous l'ai dit, que j'avais lu dans mon journal que j'avais écrit genre j'ai laissé un mot à Nayol dans son casier et qu'il m'avait écrit un mot. Il avait écrit fuck off, entre parenthèses, va te faire, et blablabla, ça je sais pas ce que ça veut dire. Oui, j'en avais parlé, ça me fume à chaque fois parce que c'était genre ah, oh non, je sais plus, j'avais dit entre parenthèses, je sais pas ce que ça veut dire. Horrible, horrible. Mais même pas. Pas autant de swaggy. Quelqu'un tombe dessus. Ouais, t'as tout compris, Plouf. Je laisse traîner la poubelle. Je laisse traîner la poubelle parce que bah, ça serait quand même fâcheux que quelqu'un voit les tests de grossesse, quoi. Ça serait fâcheux. Ça serait fâcheux. Il faut que je retrouve, je les ai toujours, ces journaux intimes. Petite soirée, soirée pige où on lit nos journaux intimes si vous les avez encore. Ça serait trop drôle. Moi, je vous lirai les miens. C'est horrible. Fuck off, Nayol. Ah, j'avais écrit Nayol comme ça en plus dans mon journal. Non, j'avais écrit N-A-I avec le tréma. Attends, Nayol. E-U-2-L-E, je crois. Confession nocturne. J'adore le titre. J'adore le titre. Confession nocturne. Soirée pige, confection nocturne. J'ai encore le mien de 6e. De 6e, c'est vraiment mourir de rire. Par pitié, il faut partager. Ça me fume parce que. Tu savais dire believe, enfin believe à 15 ans, ton destin était de finir avec un anglais, bah je viens de réaliser que je savais dire believe en japonais, voilà. Comme quoi. Oui, exactement comme ça, Diana, j'avais écrit Nayol comme ça. Et j'avais mis un petit cœur à côté dans le journal. Et je vais vous le retrouver. En plus, le journal, je crois que c'était Marie-Kate Ashley Olsen. Ça me termine. Jamais eu, je pourrais pas participer, je serais Diam, c'est pas Vita, sorry. J'ai jamais eu de journal intime, c'est 2-3 jours, puis je l'oubliais, je le perdais. Ouais, moi c'est ça, il n'y a pas beaucoup de jours dedans. Il y a peut-être un petit mois, quoi. Ah, vous êtes pas drôle, vous pouvez pas retrouver des trucs qui datent du collège. Ça serait drôle. Peut-être pas faire un journal intime, mais je sais pas, des screens de votre blog ou je sais pas quoi, ça serait drôle. J'ai raté seulement la review du premier épisode, mais je vais pas se faire un coucou. C'est gentil la petite Roxy, merci beaucoup. Pas une sacrée honte. Ouais. Depuis 6 ans. Ah ouais, mais ça c'est trop chou par contre. C'est pas cringe là. Je vais voir ce que je peux retrouver. Ah, ça serait trop drôle. On se prévoir à ça quand tout le monde aura retrouvé un peu ses trucs. Trop mimes. Alors. Elle est triste maintenant. Saute d'humeur. Ok. En vrai, de vrai, je peux comprendre pourquoi tu es un petit peu triste. Voilà. Est-ce que avant le début du boulot, bon, il est 6h du matin, mais bon, imagination toujours. On peut aller se faire un truc là, faire une échographie. C'est un peu tôt. Hein. C'est un peu tôt. Elle est d'accord. C'est un peu tôt pour l'échographie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Partir chercher à manger pour calmer ses fringales. Ah, c'est chou ça! Va à la petite boutique du coin là. Merci Fanny pour le follow, bienvenue. J'ai des vidéos sur mon PC, des unboxing gâteaux. Oh my god, il nous faut ça. Ça, il nous le faut. J'ai encore mieux, quand j'étais au collège, je faisais des vidéos en mode YouTubeuse sur, attention, ma 3DS rose. Je t'en supplie, les partage. Miss Nutella. Miss Nutella. Enchantée ici, Cherry Pink. Oh putain. Et moi, c'était Boom Wow avec les X aussi. Boom Wow. Mais du coup, mes révélations sont désormais perdues à jamais. Ah, quel dommage, Léa, là, vraiment. Boum, waouh. Coucou Pika, comment tu vas? Ouais, t'as vu, c'est stylé Fanny. T'aurais pu follow il y a une dizaine de minutes, t'étais 9000ème, ça aurait été incre. Mais 9001, c'est stylé. Comment tu vas? Bienvenue. Ma mère se prenait pour une inspectrice de police, elle fouillait trop dans mes affaires pour que j'ai un journal. Ah, biche. Oh. Moi, j'avais un journal avec un petit cadenas.
Parce que les secrets étaient tellement juicy qu'il fallait mieux mettre un petit cadenas dessus. Il vient d'où le pantalon de AJ? C'est un CC pack, je crois que c'est... Attends, je vais regarder. Merde, non. Comment elle s'appelle? J'ai un trou. Attends, je regarde. C'est... Ah oui, j'aurais pas du tout ça. Du tout dit ça. Blue Craving. C'est Blue Craving. Attendez, j'ai loupé plein de messages. Purée, faut que j'essaie de les retrouver. Ah ouais, trop. Mais je sens qu'au lycée, c'était trop honteux et c'est en dessous supprimé. C'est ça le truc, c'est qu'on se rend pas compte que ça sera pépite 20 ans après, quoi. Par contre, Facebook me propose des souvenirs et des fois, je me dis, mais pourquoi? Ah ouais, non, mais les... Pourquoi on écrivait des messages comme ça? Si t'en as quelques-uns à screen, ça sera bien pour la confession nocturne. Mon journal comme ça aussi. J'en ai 100%. Elle l'aurait lu. Ouais. C'est quand même pour sachez que j'ai pas eu internet à la maison avant mes 16 ans. Ah ouais! J'étais acide cerise. Non! Rouge! Les fameux cadenas qui servaient à rien de fou. Hein. Tu mettais une bobipine là, une petite barrette et ça pétait. Hein. Abo ma vie. Ah ouais, abo! Abo! Alors là, tu vas réveiller Coco là. Ah oui, mais tu vois, OMG. Une soirée abo Capanzor. Oh! Soirée à vous, Capanzor. Vous savez que je suis sortie avec un mec rencontré sur Abo. Oh non, c'est pépé. Les souvenirs sont dans la tête, imagination. Oh, putain, je suis mort la soirée Abo. Mais attends, Abo, ça existe toujours, premier dog Attends. Ça s'appelle juste Abo, ça s'appelle plus Abo Hotel. Ah non! Bois un café, ouvre un paquet de chips. Ah putain, c'est... Il y avait des trucs beaucoup plus cringe que ça aussi. Il y avait des trucs beaucoup plus cringe que ça. Genre les gens qui mettaient entre les petites étoiles leur... Juice! Comment tu vas ma Juice? Qui mettaient ce qu'ils étaient en train de faire. J'espère que vous allez bien. Ah, toi aussi, tu nous manques, ma Juice. Merci, ma vie, pour ton resub. Niveau 3. Oh là là là, dingos. Je sais pas si c'est toujours des events, ouais, par contre. Je sais pas du tout. Moi, j'ai un film qu'on avait fait avec des copines, on a genre 13 ans. Ah, clarinette, trop drôle. On trouvait qu'on était trop fortes. On dead ça à l'époque, et tout. Pack 2024. Ah ouais? Oh là, dingos. Incroyable. Pack 2024, mais oui! Oh my goodness gracious. Ben, il nous faut une soirée à beau. Ça me termine. Par contre, on pourra privatiser des salles. De mieux en mieux même. Tant mieux, Majus. Tant mieux. Un endroit étrange avec des personnes incroyables. Non, avec des gens étranges aussi. Oui. Sauf si c'est une soirée Capanzor. Là, c'est avec des personnes incroyables. J'achetais des pièces avec le téléphone fixe. C'est malade de dire ça, vraiment. C'est fou. On peut avoir des lieux privés, parfait. Ça sera trop drôle. Ça, ouais, non, vraiment. Ça me termine. Oh là là. J'ai masse d'appart sur Mabo. Sur Abo, j'avais même des apparts fait exprès pour faire des jeux. Ça serait juste bon cœur. Ah, mais t'as toujours ton compte, genre tu te souviens de tes identifiants et tout. Moi, par contre, faut que je recrée un compte. Hein. En fait, pour satisfaire ma inner child de fou, de fou, de fou, de fou. Allez, c'est acté. Mais comment on arrive à des conclusions comme ça? On est en train de jouer aux Sims et on arrive à se dire, viens, on va faire une soirée à Beau. Ça me fume. Oui, évidemment, je me souviens de tout. Ah putain, incroyable. Incroyable. Allez, rentrez déjà, il est 7h. Ah oui, elle a été acheter un peu des trucs à graille. Ok. On n'a qu'à ouvrir la clinique, hein, c'est un peu tôt, mais voilà. On va ouvrir. Et dans la journée, il y a ce cher petit Kenji qui va passer. Ouais, la nostalgie nous mène loin. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je pleurais sur MSN, purée. J'ai beaucoup trop pleuré sur MSN. Oh, je viens de me souvenir d'un truc sur MSN où j'ai pleuré. Je viens de me souvenir, faut que je vous raconte.
raconter, c'est pas le thème du stream. Mais il faut que je vous raconte. En gros, j'avais un crush sur un boug. Et on papotait et tout. Après, tu sais, ces crushs... c'est pas crush de quand t'as 25 ans, hein, quand on a 14 ans, mais bon, voilà. Bref, j'aimais bien un type pour aller nulle part, mais bref. Et on parlait sur MSN et tout. Et c'était un mec de mon collège, hein. Maman, si t'es là, c'était Teddy, voilà, bref. Et à un moment donné, genre, je sais plus, genre, tu sais, j'arrivais avec mes gros sabots, comme on dit, et je lui dis, genre, sinon t'aimes bien qui au collège, hein? Et il me dit, bah, je te dirai pas qui t'es, mais je peux te dire les lettres qu'il y a dans son prénom. Et j'étais en mode, bah, vas-y. Et il me dit, T-O-I. Et moi, j'étais en mode, putain, il y a un T et il y a un I dans mon prénom, mais il n'y a pas de O. Du coup, j'ai pleuré. Alors que t'es OI, c'était toi, putain. J'étais trop conne. Et j'étais en mode, ah, putain. Tu sais, en plus, il a pris son temps, il a mis T, et j'étais en mode, il y a un T, O, j'étais en mode, ah bah non, c'est pas moi. Et après, il met I, et puis j'étais en mode, attends, mais il y a un I aussi dans mon prénom. Oh, putain, et ça m'a pris v'là le temps. J'étais trop conne. Après, 100%, c'est la disquette a pas disquetté de fou. Et le pire, c'est que je me demande si maintenant, ça marcherait pas aussi, un peu ce genre de truc où je capterais pas. Enfin, ça marcherait peut-être mieux quand même, je suis un peu moins con. Mais c'est surtout aussi, il y avait le... Merci, ma juice. Love you. Prends soin de toi, ma vie. Oh, trop chou. Merci, Majus. Mais il y avait vraiment le truc où... ce truc où c'était pas possible aussi qu'il me kiffe, tu vois. Donc, j'étais en mode... putain, ouais, c'est pas moi, il y a pas les lettres. Et après, je suis en mode... Mais attends, mais T-O-I, ça fait toi. Mais est-ce qu'il parlait de moi ou est-ce que c'est juste une coïncidence? L'ascenseur émotionnel, je te jure, gros cerveau. J'étais vraiment trop bête. Et après, en plus, le truc, c'est que... Vraiment, t'es bête, quoi. Du coup, j'avais dit, mais quand tu dis T-O-I, c'est une coïncidence que ça fasse toi ou tu parles de moi? Oh, je veux mourir, rien que d'y repenser. JPP. Mais c'était qui? Mais j'allais dire, c'était qui? Du coup, tu l'as su. Ah, vous me terminez. Waouh, cette clinique et vétérinaire est magnifique. Merci beaucoup, Palav. Merci, merci. Comme on dirait chez moi, merci. Ah, tu parles de moi, oh. Bah, en fait, j'ai posé la question. Il m'a dit, bah oui, je parlais de toi. J'étais en mode, ah d'accord, ok. Et j'en ai rien fait du tout de cette information. J'ai pépé. Raja a l'air un peu malade ces derniers jours. Pourriez-vous l'examiner? Oui. Oui, oui. Examinons Raja. C'est trop mignon, Raja. C'est comme le café dans Coral Island. Moins 10 dans le lovomètre. Oui. Oui, de fou. De fou, de fou. Même moins 20, je pense, là. Oh, il y a des puces, là. Moi, je suis pas veto, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Ah, j'ai mangé trop de café. C'est ça. C'est vrai que je peux continuer ma vie sans toi. C'est tout ce qu'il y avait à trouver? Nickel. Un petit peu, on va l'apaiser un petit peu, voilà. Et on va traiter ça. C'est rassurant. Ouais, de fou. C'est vraiment une autre époque. Après, là, maintenant, c'est vrai que la disquette, je la comprendrais, mais elle marcherait probablement pas en mode, voilà, le relou. Puis on a plus 14 ans, quoi, donc c'est cringe de dire les choses de cette manière-là, je pense. C'est bon? Merci, vous pouvez payer. Laissez partir le patient. Non, non, mais... Bah, c'est bon. C'est bon, c'est terminé l'examen, là. Merci, tu payes. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Il a payé? Bénéfice de service 100, c'est bon. Le chien, il en reveut. C'est fou. Je sens que ça va bugger souvent. Et alors, aussi terrible soit-il, hein... Il n'y a pas d'animaux malades pour le terrain où vous n'ayez pas encore accueilli des patients. On peut les mettre quand les animaux sur le truc là, sur les interventions. Ça marche comment ça? Toi, moi je dirais, mais il est trop mignon. Mais t'es plus jeune que moi, June. Moi j'ai 31 ans cette année. Hein. J'ai le droit à une friandise. Ah oui, de fou! De fou, de fou. En plus, j'ai arrivé de nouveaux clients. Bah non, non, déjà on en a pas beaucoup. Quasiment jamais. Ok. Ok, ok. C'est pas plus mal.
Elle est triste en plus. J'ai pépé. Coucou madame. Oh les papates. Merci pour le follow Célestia. Je crois que tu peux les mettre juste quand c'est le tien pour le stériliser ou déstériliser. Ah ok. Il a envie de faire cacou. Il a envie de faire coco, comme dirait mon fils. J'ai jamais eu de patient à opérer, ouais. Moi j'ai pas joué beaucoup, hein. Je pense que c'est peut-être la troisième fois que je joue. Et les deux fois précédentes c'était pour des vidéos. Ils font dedans aussi ou pas? Ah ouais, bonne question. Bonne question. Je suis en train de me reconnecter à une vieille adresse mail pour retrouver mon compte abo et j'ai des mails de Tinder Japon, je décède. Je n'ai jamais vu Gus agir de la sorte auparavant. J'espérais que c'était temporaire, mais cela ne fait qu'empirer. Je vous en prie, faites quelque chose. Oh my gosh, ça a l'air gravissime. Gus, viens là. Viens là, mon Gus. Bah, j'ai eu qu'une fois, ils ont accouché chez moi. Ah ouais, moi, je crois jamais eu de petit tout. Ça me dit rien du tout. C'est trop dur, en vrai, d'avoir des petits tours. Alors, examen. Bah, comment... Pour les pattes, la peau fourrure. Je me propose des solutions à l'endettement et quelques Marc et Philippe qui ont un C-Word en phase terminale et me demandent un virement. Ah, ouais. Classique. Patte chaude. Ouais, bah ça, je l'avais vu. Oula, attends. Examen. Examiner la gueule. Ça va et toi, Célestia? Merci beaucoup pour ton follow. Tester. Jamais testé, j'ai honte de le dire. Je sais pas pourquoi, on aime trop avoir tous les packs et après, on n'en fait pas la moitié. Examen, yeux secs. Prendre la température, peut-être. Patte brûlante. Ça, c'est le symptôme. Mais alors, du coup, là, je peux traiter. Ah, mais c'est le même encore. Spray anti-parasites. Bon. Moi, je voulais mettre un cône à un chien. Maladie soignée. Tu me payes? Paye-moi. Laissez partir le patient. Bah non, pas du tout. Ça y est, elle m'a payé. 125, c'est tout en... Bon, après, il est 10h15. On va peut-être se faire une grosse journée sympa, là. Je suis sur pause? Non, c'est bon. Coucou, Moline. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu reproduis des célébrités? Si oui, fais du pas. Non, non, merci. C'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire, mais je suis sûre que sur YouTube, il y a des personnes qui recréent des célébrités. Faut le calmer le toutou. Non, t'as vu, c'est pas ses crèmes. Ah, putain, le petit cadeau, là. Ah, c'est sympa, ça. Ramasse donc, là. Ramasse la donc. Avant que quelqu'un marche dedans. Madame, vous revenez avec Phoenix? Ah non, elle a d'autres animaux. Bichette! Jean Génie. Mais attends, mais à qui sont tous ces animaux, là? Binks. Oh my gosh! Qui est le patient, là? Attends, c'est la même que tout à l'heure, elle, non? C'est une autre? Viens là. Mais tout rose, mais oui! Jean Génie, quoi. Incre. Ah, mais il y a deux patients! Oh bah, alors là. Désolée, il va falloir attendre un petit peu. Ah, elle aime pas la déco, elle. Pouah, l'aspect de cet endroit n'est vraiment pas engageant. Bah, va te faire, en fait. Pardon, j'ai... Attends, je serais très mauvaise, hein. Non, en vrai, je dirais rien, IRL. Mais c'est bon, là. Il y a une meuf, elle arrive, elle dit « Ouah, putain, ça pue sa mère, c'est moche, le rose. » Bah, tu t'en vas, en fait. Hier, elle aimait. Mais oui. C'est zozo, ça. Vas-y, parle-moi, en fait. Oh, coucou, Jean-Génie. Je suis désolée, monsieur, il va falloir attendre un tout petit peu. Pas comme d'habitude, je crois qu'elle ne va pas bien. Pourriez-vous l'examiner? Bah, on est là pour ça, en fait. Je t'explique. T'as beau ne pas être sympa, je vais faire mon taf, en fait. Oh, le chat. Le chag. Monsieur, vous restez là, hein. Il y a des chaises. Vous attendez. Allez, ça monte. Si, c'était elle hier. Mais c'était un autre chat. Mais c'était bien elle. Elle vient deux jours de suite avec deux animaux différents malades. D'accord, hein. Bon, bah là, moi, je vais te le dire directement. C'est des puces. Voilà. Donc, je vais mettre le spray anti-parasite. Et puis, voilà, on gagne du temps. Hein. Si, c'était elle. C'était elle hier. Je me doute que tu te souviens pas de son nom, mais c'était bien elle.
Il y a trois trucs là à faire. On va examiner le cœur. Mythe buccal. Ok. Mais continue. Examen. Ah mais il faut que j'examine la gueule là. C'est louche, faut contacter la SPA, j'avoue Pika. Je suis pas physionomiste. Ouais. Non non, c'était bien elle. Je reconnais surtout son outfit. Fourrure malodorante. Ah bah c'est super ça. C'était pas des puces, j'ai rien dit. Alors traitement. Bah ouais mais c'est le même traitement, donc pourquoi s'emmerder? Hein? Je l'avais dit? Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Kaku kaku monsieur! C'est quoi votre petit nom? Ah et lui il kiffe le rose. Sean Reed. Cette clinique vétérinaire est magnifique. Merci monsieur. Accueillir un patient, vous êtes déjà en train d'examiner. Ben alors, je peux accueillir après. Coucou Dripsy, comment tu vas? Hier, elle avait pas les mêmes vêtements. Ah bon? Ça me dit un truc pourtant. Ok, merci, cassez-vous maintenant. Bonjour. Accueillir un nouveau patient. Oh, mais... Il faut que tu t'en ailles, en fait, hein, je t'explique. Blink, c'était bon? Ouais, merci. Pas une veste léopard. Ah si, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est elle. Regarde. Si, c'est ça, Olivia. Parce que je me suis même dit, c'est pas Olivia, c'est Olivia. Voilà, c'était ma petite réflexion. Ok, hop. Allez, on va examiner... Non, mais c'est fini, le chat. C'est fini, le chat. Va accueillir un nouveau patient. Coucou le Toto, bienvenue. Je n'ai jamais vu Jean Génie agir de la sorte auparavant. J'espérais que c'était temporaire, mais cela ne fait qu'empirer. Je vous en prie, faites quelque chose. Bien sûr. Attends, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi qui est négatif? L'attitude des vétérinaires avec les animaux est loin d'être irréprochable. Hein? Comment ça, mon bœuf? Alors là, on va se battre. Je suis vraiment géniale avec les animaux. Hein. Non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Faut pas m'enchir comme ça. C'est parce que t'as pas dit bonjour, toutou. Mais c'était sur ma wishlist. C'était sur ma to-do list. Du coup, je lui ai parlé d'abord et après, voilà, ça a pas fait. Regarde, examiner. Comment ça... Ah merde, ça s'est enlevé. Mais en gros, il y avait... je l'avais mis. Mais du coup, j'ai fait le mec d'abord. Bah, c'est pas grave, je dirai bonjour au chien d'abord, alors, la prochaine fois. Alors, examen. On va t'inspecter un peu la respiration. On va écouter ta respiration. Non, le Toto, tu peux faire point d'exclamation planning. T'auras le planning, tu verras quand je live. Dans ton appareil, je souris mes baby chats et ma maison, j'ai hâte. Ah, trop chou! Moi, ça va. On a trouvé quoi? Crotte en arc-en-ciel. Classique. Examiner la gueule. Et quand la peau. Vous allez y arriver. Il y a deux N à planning. Voilà. Hop. Oh putain, niveau 7. Maladie des crottes colorées. Ah, c'est ça le caca arc-en-ciel dont on parlait la dernière fois, les gars, non? Pardon. Trop chou. Ok. Par contre, un peu méchant lui de dire que je m'occupe pas bien des animaux. Ça, je retiens. Oh, oh my god, mais c'est Candy. C'est Candy et Kenan. Mais pourquoi il a fait tout le chemin depuis Del Sol Valley? Attends, je l'entends en bas là, Ati. Je sais pas s'il l'a vu, Titi. Ati, look at the TV. Je l'entends faire. ouais, peut-être qu'il a un truc à lui dire, ouais.
Peut-être qu'il veut inviter AJ en personne pour le mariage, mais pourquoi ça serait pas Barbie qui vient? Chelou cette histoire. Pas tout à fait par hasard. Ouais, c'est ça. Je vais lui offrir une peluche, Jaja. Trop mignon. Il sait qu'il aime trop la peluche rat en particulier. La peluche rat, elle finit dans tout. Dans les camions, dans le micro-ondes. Il a un petit micro-ondes, mais la peluche rat dedans. Bon appétit. Pour faire une fête surprise de crémaillère. Ah, peut-être ça, ouais. Peut-être qu'il organise une surprise à Barbie, en effet, et il est venu voir Edgy. Mais appelle-la, mon gars. Envoie-lui un message sur Insta. JPP. Elle, attends, elle a pas vu, elle, encore. on lui dit au revoir, là. Ah, JPP. Candy, ma belle, que t'arrive-t-il? Accueillir un patient chaleureusement. Tu la connais bien, t'as vécu avec elle, en plus. Bichette. Oui, I heard that, my love. C'est qui? T'as vu tous les animaux, mon titi? Oh, look at this one. Il est trop beau, ce chien, wesh. Trop, trop beau. Alors. Attends, je suis où? Ah, là. On dit bonjour à Candy? Mais en plus, là, du coup, elle le connaît, lui. Ah ouais, à peine. Waouh, cette clinique vétérinaire est magnifique. Merci, Kenan. Merci, Kenan. T'as, en fait, le truc, c'est que les Sims de rouge, ils veulent tout le temps, être là. Ils veulent être au centre. Ils veulent être au centre. Il kiffe. Kenan, il s'est dit, putain, c'est pas mon épisode, je viens. c'est bon, là, le chien? On s'en va? S'il te plaît, merci. C'est un peu buggé, quand même, hein. Je n'ai jamais vu Candy agir de la sorte auparavant. Je croyais que c'était temporaire, mais cela fait qu'empirer. Biche! Apple Cherry vient de devenir une connaissance de Candy. Vous rigolez? Kendall Capel! Kendall se demandait si je voulais lui rendre visite. Ben, c'est super loin, ma vie. On n'a pas le temps de venir à Manuela, là. Non, désolé. On est au boulot, en fait. Nous. Allez, Kenzie. Crapahute là-dessus. Elle est trop chou. On est un peu au travail, là. On est un peu busy. Là, vraiment, il y a un crossover qui se passe. Kendall, Kenan, tout le monde est là. Examen, là, on a des petites pupuches, non? Ou on a le truc de tout à l'heure, là, je sais plus. Gars? Il est sur Champa. Il met le mess. Ah, t'es super content de voir les petits chiens. Oui, mon amour. C'est Jaja, mon chéri. Elle a des petites puces. T'as vu? Puce, allez hop, c'est parti. On soigne. Traitement. Ouais, c'est Jaja. Regarde. Pshhh. Hop là. Super, Jaja est toute... Elle est toute propre, Jaja. Voilà. Attends, là, il faut que AJ parle un peu avec Kenan, parce que c'est suspicieux tout ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Félicité pour le mariage. Ah mais oui, du coup. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tu veux être le centre du monde, toi? Qu'est-ce que t'as? Tu vas aller faire la science, là, mon loulou? Waouh. Ok. C'est Jaja, ouais. Jaja? Ouais. Enfin, si je peux me permettre, c'est Candy, mais tout le monde l'appelle Jaja maintenant. Hein. J'ai bien. Jaja? Vas-y, rote. Bah, vas-y, rote, Choupi, t'as bien mangé? Qu'est-ce que tu fais? Jaja? Tu veux dire quoi? Nana? Waouh! Ouais? Waouh! C'est bien un capanzor, hein. Nanana. Nanana. My gosh, that's... You're making bad noises for the people, Chip. Oh, mais tu veux continuer, mais bon, voilà. Tu vas aller faire la sieste, non? Nanana. Non, non. Nanana. Rar, oui. Jaja. Tu donnes un bisou puis tu vas faire dodo? Jaja. Quoi, Jaja? Jaja. Elle est là. Oh là là, mon dieu. You always choose the right moment to come upstairs. Jaja. Cause there's always Jaja in the screen. Where is she? Jaja. Oui, elle est là, chérie.
Oui, chérie. Nanan. Ouais. Ça marche. On lui dira, chérie. Jaja, oui. Oui. Ah, Chipine. Tu fais un bisou à maman ? Oui. Bisous. Non, ok, pas de bisous, ça marche. À tout à l'heure. On se voit après la sieste. Voilà. Ouais, non, cause he's gonna stay on Jaja. Non, mais tu la verras plus tard, Jaja, t'inquiète. Pour de vrai. En vrai, de vrai, dans la cour. Hein? Mais pleure pas, Choupi, tu vas faire dodo. Non. À tout à l'heure. Au revoir. Ah, oh, t'es trop mignon. À tout à l'heure, chérie. Jaja Nanan Raw, ça fait réfléchir. Oui, oui, poète. Poète, très poétique. Il pleurait pas, il faisait... Bref. Du coup, ouais, je disais, il faudrait là que Eiji, elle parle un petit peu... Alors, on va le féliciter pour son mariage, ouais, c'est bon. Et puis lui, il va du coup lui parler un petit peu de la surprise qu'il organise pour Barbie, hein, on imagine. Papotage, partager des photos, ouais. Rago sur Barbie. Allez, ça part. Rago sur Barbie. Très grand philosophe. Il m'a défoncé mon micro. Enfin, défoncé. Il a tout modifié. Oh, c'est bon. Attends, mais je n'entends pas parler. Ah, si. Attendez, je rattrape vos messages, parce que du coup, je vais pas. Ati, futur streamer. Oui. J'avoue. Speak loud. Il y en a des choses. Il est caméra shy. Ouais, ouais, ouais. Ah, il est parti. Oula, qu'est-ce que c'est que ce cowboy là? Kit Weston. Waouh. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai qu'une chose à dire, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, handsome. Mais c'est ça, hein? Franchement, c'est ça. Oh, hi, daddy. Jupette. Bah, bonjour, Kit. Partagez la grande nouvelle. La meuf, elle panique, tu sais. Elle le trouve mignon. Et elle est en mode, je suis enceinte. Oh, ok. Le moment de panique, c'est accueillir chaleureusement. Bon, bah voilà, ça a été un peu écourté, la petite conversation. Peut-être qu'elle lui a dit, on se capte plus tard, parce que là, je suis au boulot, en fait. Genre, pas trop le temps de parler... pas trop le temps de parler de la surprise. Excusez-moi, j'étais sur Abo, JPP. Non, mais l'examen de Candy, il est fini, non? On l'a pipité. Ouais, non, mais c'est match de fou. Il est quelle heure, là, in-game? 15h, ok. Mais le chien est trop mignon aussi. Hein. Larry. Bonjour madame. Angelica Cook. Il est où ton animal? Bah ouais. Mais à qui elle parle là? Larry n'est pas comme d'habitude, je crois qu'il ne va pas bien, pourriez-vous l'examiner? La meuf elle s'assoit, tu sais. Non. Non, c'est pas la même. Angelica, non, c'était A. Olivia. C'était Olivia avant. Jaja, on t'aime, mais rangez-toi. Jaja, franchement, casse-nous pas la tête et barre-toi. Ouch. Alors, ouais. À partir du moment où on touche à mes affaires. C'est pas une personne qui a. Elle est au premier trimestre, ma chia vient juste de l'apprendre, de le découvrir. Bon, après, dans le jeu, ça se voit déjà, mais bon. On connaît le jeu, quoi. Mais elle vient juste de l'apprendre. Parce que tu vois, il y a amené à la station de chirurgie. Enfin, un vrai boug. merde, non, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je me demandais. Alors là, il a l'air d'avoir mal à la tête. On va prendre sa température. Peut-être en gare et avoir un minimum de raison avant de repartir. Mais là, on repart. Bisous, ma dripsy. À bientôt. Il est déjà mieux que Kenji. Ah ouais? Vous le trouvez pas beau, Kenji? Vous rigolez ou quoi? Je suis endormie. La petite sieste du matin, Kenza, j'y pète. Qu'est-ce qu'on a découvert un truc là? Léthargie, ok.
inspecter les oreilles. Très important, les oreilles. Pas que chien et chat. Ah ! En vrai, il est cool, hein, Lucie. Il est cool, cool, hein. On a quoi, la rythme cardiaque lent ? Vous avez mis la gueule. Il devient super ami avec le chien. Parler mieux des cimetons rouges, attention, hein. Mais oui, hein, on va faire rar. Alors, syndrome du chien ridicule. Bah. Comment ça, chien ridicule? Elle a trop envie de pipi. C'est vrai qu'elle a même pas pris de pause déj. Oh, ça, c'est pas bien, hein. On va fermer là, y'a quelqu'un? Allez, dernier patient. Oh, purée. On peut... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, t'as envie de faire pipi. Y'a pas des toilettes en bas? Ah, j'ai merdé là. J'ai merdé là. On ne devait pas faire des toilettes pour les patients, pour les clients? Eh, on a merdé, non? En VDV. Excusez-moi, madame, 2 secondes, j'arrive, hein, je m'occupe de votre chat tout de suite. Je vais faire un petit pipi. Mais pourquoi aspirer les toilettes? Non, l'examen est terminé. L'examen est terminé. L'examen est terminé. Syndrome du chien goofy, genre. Mmh. Rend potable même. Rend potable. C'est vraiment accessible pour les clients. Ouais, c'est vrai. Ok, donc ça va. Petit pipi. J'arrive, madame. J'arrive. Monsieur. Oh, c'est un petit raton laveur. C'est ce que vous me disiez la dernière fois, I'm guessing. Bon, en fait, c'est un chat, mais voilà. Mais Kendall, mais qu'est-ce qu'elle a? Kendall souhaite venir passer du temps ici, êtes-vous d'accord? Bon, elle aussi, elle a un truc à nous dire. Clairement, elle aussi, elle a un truc à nous dire. Et une flaque. C'est qui a fait ça? Je pense que c'est le raton, non? Kendall, non, on peut pas t'accueillir, là. On est où? Tu peux y aller? Ouais, merci. Kendall, t'arrives en train de louper Jaja. Mais c'est ça! La journée du sport. Mais qu'est-ce qu'elle en a à faire, Eiji? Ouais. Bonjour. Hein. Oui, c'est dégueulasse. Bah, écoute. Il est reparti, le cow-boy. Ouais. C'est ça que j'ai tout pour moi. Il va très mal ces derniers jours. Mais j'ai compris, hein, vous me dites toute la même chose. J'ai jamais vu pour les clients, en tout cas. Ouais, bon, bah, ça va, alors. Ça va. Bonjour, hein. Bonjour, hein. Pose ton fiac aussi, si toi, hein. Alors, commencer l'examen, oui. Examen, il est calme, tout va bien. On va inspecter la peau. Examiner la gueule. Écoutez la respiration. De Bénin. C'est toujours les mêmes maladies. Est-ce que ça évolue à un moment donné, déjà? Quand la clinique... Enfin, plus la clinique est bien notée, plus t'as des cas différents ou pas? Nope. Ok, c'est toujours la même chose. C'est un peu redondant, alors, si je peux me permettre. C'est un peu redondant. Voilà, merci, c'était la fin de journée. 18h, c'est suffisant. Alors, j'ai pas mal de points avantages. Je peux prendre un nouveau vet, affluence augmentée, débloquer la qualité du matériel, patient, discours inspirant. Ouais, parce qu'en général, je me lasse avant que ma clinique soit plus élevée. Ouais, de fou, bah là, t'as vu, enfin, une journée de taf, comment c'est redondant. Je prends du nouveau matos. Enfin, je débloque la qualité, quoi. Affluence augmentée, ouais, mais après, faut qu'il soit patient, hein. Faut qu'il soit patient. Attends, ça fait quoi, là, le matos? Ah non, mais j'ai débloqué rien du tout, en fait. Ok. J'ai chié. Patient, ouais, je prends ça. Patient. Après, ils sont déjà pas mal patients. Mais c'est sûr que si je fais affluence augmentée, après, ça peut être pas mal. Et paramètres de la clinique. Ah ouais, faut que je change la tenue, là. Je vais en mettre une nouvelle. C'est ça que j'aurais dû faire, en fait.
Profite bien de ton lurk, ma chérie. Alors. Le petit polo, ouais, j'aimais bien le petit polo en rose. Il est chou, non? Hop. Et... Sheng et Shag. Ouais, les bas, par contre, ça va pas trop avec. Merci, Jade, pour le follow, bienvenue. Ça va pas trop avec, hein. Il manque une autre couleur, mais... J'ai comme un doute. Non. Du coup, on met juste un bas normal, ouais. Avec une salle. C'est pas vraiment utile, à part peut-être pour nettoyer. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça fait pyjama de dingue. Moi, je pensais mettre juste... voilà, un petit pantalon normal, quoi. Là, on est en automne. Qu'est-ce qui est chou? Faut qu'elle soit à l'aise, quoi, tu vois. Comme ça, un truc comme ça, non? Un jogging. Non, ça, c'était pas mal, je pense. Coucou, Choupinette, comment ça va? Et en godasse, tu mets celles qui viennent avec, avec le pack... Le pack... Passion Cuisine, celle-là. Je crois qu'il y a un rose. Ah ouais, mais le rose, peut-être en blanc, du coup. C'est bien, ça, non? Elle vient avec des Santiago. Comme ça, elle montre au cowboy que c'est pas parce que c'est rose qu'elle s'y connaît pas. Ah ouais, on peut faire ça aussi. Pas à l'aise en jean. Bah là, pour le coup, tu sais, c'est un mom fit, là. Ça la moule pas et tout. C'est pas un slim, quoi. Donc c'est déjà un peu plus confort. attends, j'essaie les Santiago. Bah pas avec ce jean, là, du coup, mais pas avec ce bas-là. Attends. Vie orange. Tout en rose, comme ça. Oh my goodness. Oh, la petite jupe en jean. C'est mignon, ça, non? Je sais pas si ça fait... Si ça crie « je suis médecin ». Mais il y a le polo, quoi. Ça va, non? Avec au travail, avec la carrière médecin. Peut-être, ouais. Je me demande s'il faut pas le débloquer, par contre, non? C'est en tenue complète. Ça, en vrai, ça pourrait marcher aussi. Des crocs. Ouais, j'avais mis des crocs au début. Bah, c'est pas un cross-pack, ça. Donc, on peut le faire avec chien et chat et avec au travail, Lucie. Merci, Mélanie, pour le follow. Bienvenue. Voilà, comme ça. Ça, vous préférez? J'aime pas trop, en fait, en rose. Hein. Merde. Ah, peut-être la chemise rose et la blouse, comme ça. On a quoi d'autre? On a eu des Santiago avec un autre truc, non? Avec... Strangerville. Ouf, ouf! Que... Peut-être là, alors. Ça fait pro de chestnut. C'est pas mal, ça. Mais bon, les autres, elles sont pas belles. Hein. Non. C'est quand même celle-là, les mieux. Allez, ça part. Attends, je veux la voir avec, là. Je trouvais que ça faisait mieux avec les crocs. Ouais, au pire, on peut lui faire deux tenues aussi, en vrai. Elle peut changer aussi en fonction de ce qu'elle fait. Je dis pas que ça a planté. Je vais sauvegarder, hein. Ah, mais tu vois, j'en ai deux. Attends, je vais modifier. Voulez-vous vraiment accéder à créer un sim? Oui, j'avais même pas capté que j'en avais fait deux. Ah, il y en a jeu de base. Attends, je regarde. Je me souvenais pas. Attends. Quand c'est jeu de base, c'est... Non, ça, c'est les CC. Peut-être par là. Bah, c'est dans boîte. Je vais aller dans boîte directement.
Non, c'est parfait ça. Ah, c'est celle-là. Il y a un petit rose? Non. Ah si. Non. Ça rouge pas. Après, ça peut être bien aussi sans rose. Hein. Mais du coup, on a dit qu'on pouvait mettre les crocs aussi sur une autre tenue. Genre là, tu vois, pour nettoyer un peu la salle, elle est pas mal en crocs, hein, je pense. Ouais, mais si je sélectionne le jeu de base, j'ai tous les CC, c'est chiant. Veto, gloire et beauté. Gloire, je sais pas. Beauté, ça oui. Croc, c'est un classique de fou. Hein. Voilà. Marge. Ah ouais, on peut augmenter un peu la marge. Hein. Ouais, c'est bon, ouais, ouais. Et un peu de publicité. Oh, c'est chier. Qualité du matériel. Supérieure. Du coup, je vais mettre 200 de marge. Personne va venir, ça va être trop cher. Là, il faudrait que tu nettoies un peu ça, là, du coup. Ah ouais, j'ai dit pour... Ah ouais, mais non, du coup, elle est... la clinique est pas ouverte, du coup, elle a pas sa tenue. Essuie donc ça. Je fais mon ménage actuellement. Ah, t'es dans le thème. Voilà. On va faire ça, et puis je pense qu'on a ce cher Kenji qui va débouler. La clinique est fermée, monsieur. Il va venir là en mode « Oh, tu peux m'ouvrir Elle va dire « La clinique est fermée, monsieur !» C'est vraiment l'enemies to lover par excellence, tu vois. Genre, c'est trop. Hop. Bon, elle va quand même lui ouvrir. Elle a un petit creux. Il a qu'à t'amener dîner. Hein. C'est ça? Ouais, t'as un petit creux. Il a qu'à t'amener dîner, j'avoue. Bon, vas-y, ouvre-lui la porte. Tac, tac, tac. Lui, il rentre aussi. Paf, paf, paf. Oui, qu'est-ce que tu veux? Bah, je viens acheter des friandises pour mes animaux. Et puis, je viens voir un peu si toi, ça va, parce que bah, on se voit pas beaucoup actuellement. Tu vois, révéler un secret bien enfoui, c'est ça que j'ai envie de faire quand il va lui avouer ce qui se passe par rapport à sa femme. Non, il est pas au courant pour la grossesse, Jojo. Pour l'instant, il n'est pas au courant du tout. Bon, alors là, elle est en mode... Mais il le sait pas. Merci, Zia, pour le follow. Elle a découvert qu'il était en couple, qu'il était marié même. Il était marié. Donc, en fait, là, pour l'instant, elle l'a pas confronté. Elle s'est juste tirée de chez lui. Et elle l'a pas revu depuis. Sauf que lui, il essaie de la voir, mais elle veut pas trop le voir, quoi. Parce qu'en plus, elle est enceinte, donc elle essaie de un peu de cacher ça. Merci, Lisa, pour le follow. Bienvenue. Donc, c'est un peu compliqué. Il est triste. Il est triste parce que bah, elle fait la gueule, quoi. Elle fait la gueule, Bubble. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va papoter un peu. Bah non, t'es pas au courant de la grossesse. Pourquoi tu t'en souviens mais... Tu vois? Je sais pas si vous voyez, il y a ma carte, il y a écrit « Douter d'être le père biologique de l'enfant ». En fait, c'est trop ça que j'ai envie de faire. C'est que genre, elle va lui avouer à un moment donné. Il va dire « Mais t'es sûr que c'est le mien ?» Et là, ça va repartir. « Papa, papa, mais qu'est-ce que tu dis ?» Nanana. Bref, ils sont pas prêts de bien s'entendre, ces deux-là, je vous le dis. Donc là, il va lui dire... Attends, on va être amical. Oh merde, je clique sur le mauvais. On va être amical. On va essayer un peu de prendre la température. Faire connaissance, voilà. Coucou, comment tu vas? Moi, je viens pour acheter un peu des friandises pour mes animaux. J'ai remarqué que tu m'évitais de fou malade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Elle va dire, écoute, j'ai vu la photo. Voilà, j'ai vu la photo. Elle va même l'engueuler. Méchant. Se plaindre de la famille de Kenji, peut-être pas conflit. Demande à Kenji quel est son problème. C'est quoi ton problème? J'ai découvert ta photo de mariage. Tu es mariée. Comment t'as pu me cacher ça, en fait? Vraiment. Rupture le cowboy tout à l'heure. Happy ending. De tout à l'heure, le cowboy. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai vraiment pas très envie de te voir en ce moment. Je me sens juste amère à propos de certaines choses. Je finirai par les oublier ou pas. Donc là, en fait, il parle du fait que... Enfin, comme elle a dit, je sais que t'es mariée et tout, lui, il dit, mais attends. T'as fouillé dans mes affaires. Donc là, t'as fouillé dans mes affaires. Conflit. Se disputer... À propos de la musique, voilà, c'est classique. Hein. Pourquoi il n'y a pas se disputer à propos de trucs importants? Genre, pourquoi la musique? Coucou Justine, comment tu vas? Voilà, ça s'engueule. Il va lui dire, bon, écoute, tu sais quoi, les problèmes, ouais, de fou, discuter d'équitation. Il va lui dire, tu sais quoi, je t'invite à boire un verre. Mais c'est pas lui. Je t'invite à boire un verre. Hein. Je t'invite à boire un verre ou en tout cas à manger un morceau parce que t'as faim en plus. Donc on va aller faire ça ici. Pourquoi ça? Demander de l'aide.
Et voilà, on va pouvoir discuter un peu. Je vais tout avouer. Je vais tout avouer sur mon épouse. Voilà, c'est parti. Le mec est pas honnête. Elle tombe par hasard sur la photo et c'est sa faute à elle. Non, mais à l'aide, je te jure. Je te jure, je te jure. Après, c'est réflexe de dire, mais attends, comment tu sais ça? Tu vois, je pense que c'est un peu un réflexe. Et là, tu vois, il est déjà en mode, bon, bah vas-y, je vais te raconter. Je vais te raconter. Viens. Comment elle crie. Oh my goodness. Je t'invite à voir un verre. Comme ça, on refera un bébé. J'y vais. C'est un peu ça. En VDV. C'est un peu ça. Alors. Edgy est là. Voilà. Ils sont tous les deux en colère. Non, elle est heureuse. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Vous vous souvenez du petit bar? Oh, mais dis pas que c'est encore elle. Non, c'en est une autre. bonjour. On voudrait commander à manger. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'à votre avis, il aime manger? Plateau de charcuterie, ça me semble être ok. Va commander ça. J'étais un blitz. Il est vraiment culotté. Oui. Oui, oui. Viens, AJ. Il va être temps de lui dire que t'es enceinte aussi, toi. Hein. Hi. Clan, clan, clan. Réunion des héros médiévaux. Oh non. Tout le monde va être en... non, mais mangez pas là. Mangez sur une table. Mangez sur une table. Je mets ça dans l'inventaire. Viens, y a pas une petite table un peu intime Là, tu vois, c'est pas mal ici. S'asseoir ensemble. Venez là. Vu qu'elle est enceinte. Exactement, Alice. Exactement, exactement. Et peut-être même qu'il a commandé un bon verre. Oh, il est en colère, mais il vient avec son assiette, t'inquiète même pas. Qu'elle ne peut pas boire non plus, donc il est en mode, mais t'avais faim, pourquoi tu manges pas? Mais bois un coup. Après, elle peut picorer le fromage. Alors, raconte-nous tout. Raconte-nous tout. Est-ce que là, il peut faire révéler un secret bien enfoui? Plus de choix, amitié, pensée profonde. Se réconcilier, j'y pep, trop chou en vrai. Papotage. Y'a plus révéler un secret là? Ah, vous êtes pas drôle. Attends, si c'est pas dans... Pensée profonde, ça serait dans quoi? Parler de mariage. Oui, bah vous en êtes là, non mais c'est sûr. Non mais franchement, c'est sûr. Conversation profonde alors. Dommage. Et sushi, un whisky. Tiens, il dit... Bon appétit. Juste de le faire boire, comme ça, ça passera mieux. Zipep. Non, on va faire conversation profonde, du coup. Et il va lui avouer que oui. En effet... Pourquoi vous me descendez la cam? Ok. En effet, il est marié. Ça, c'est pas du pipeau. Et sa femme... Alors, je sais le chat. Vous pensiez tous que la femme était décédée. Mais elle n'est pas morte. Elle s'est juste barrée. Du jour au lendemain, comme ça, un matin, il a trouvé l'armoire vide, la penderie vide. Elle avait pris toutes ses affaires et elle était partie. Elle était partie, il a jamais eu plus de nouvelles, il a essayé de l'appeler, ça disait numéro non attribué, etc. etc. Elle a dit ce pire. Non, c'est pas un mariage blanc non plus, c'est juste... voilà, il croyait qu'ils étaient amoureux. Hein. C'est un homme, donc il a peut-être pas vu les signes, on sait pas. En tout cas, elle est partie, elle a pris ses clics et ses claques, et elle est partie. Voilà, il a jamais eu de nouvelles depuis, ça fait des années. Donc voilà, là, il est en train d'entamer une procédure où, tu sais, quand ça fait un petit moment que ton partenaire a déserté le foyer, tu peux demander le divorce sans avoir besoin de sa signature. Donc voilà, il est en train de faire ça. Ça peut être un red flag, mec toxique. Ça peut être aussi juste une autre explication, les gars. Ne détestez pas Ken. Mais ça pourrait être ça, ouais. Donc du coup, forcément, Eddie, elle est un petit peu en mode, ok. Mais pourquoi? Et il dit qu'en fait, peut-être il peut expliquer aussi que la veille, ils avaient fait une belle promenade et tout, c'était vraiment une super journée, et que du coup, bah, c'est encore plus délicat de pourquoi elle est partie comme ça du jour au lendemain, parce qu'en fait, la veille, ils avaient vraiment eu une très très belle journée, et en fait, pour elle, ça pouvait être une journée d'adieu, tu vois. Genre, elle a vraiment... ils avaient organisé un pique-nique et tout, une belle balade à cheval, etc. Vraiment, une trop trop bonne journée, quoi. Ils étaient trop heureux. Et en fait, elle est partie. Ken, désolé, pas désolé, je suis pas de ton côté. JPP. Du coup, là, AJ, elle va peut-être lui dire d'accord, bah merci pour ta franchise. Vu qu'on est en pleine session d'honnêteté,
Il est temps que je te dise un truc. Partageons la grande nouvelle. J. P. P. Non, 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 non. Bon, il est en mode quoi? C'est vrai? Je sais pas s'il est overexciting comme ça. Mais du coup, il va lui dire. Il va lui dire. Test de paternité. Douter être le père biologique de l'enfant. En fait, c'est peut-être pas douter, mais il va lui dire. T'es sûr? T'es sûr que c'est le mien? Elle va être en mode. Mais quoi? Mais regarde, elle est choquée. Elle est choque béton de baiser. Elle va être en mode. Mais tu te fous de ma gueule là? Vraiment, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Elle va lui dire. Bagarre. Donner un coup de pied dans l'entrechamp. Ça me termine. Juste conflit. Juste disputer, quoi. Non, elle va même crier sur. Voilà, elle va dire. Mais pardon? Mais t'es sérieux, là? On n'a pas eu la même conversation avec sa mère enceinte. J'avoue! La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Hello, 11 novembre, comment tu vas? Bienvenue. Voilà, là, elle va dire, c'est bon, je me tire. Si c'est pour manger de la charcuterie, de toute façon, vaut mieux pas. C'est bon, bye. Bye, bye, bye la Morena. Allez chez le vétérinaire. Oh non, sans lui. Merci. Bye. Coup de panard direct, si pépé. C'est vrai, elle était partie... il était parti en... Non, elle était partie en plein test de paternité pendant le truc. Ne parle plus avec lui, c'est bon. Elle est trop saoulée. Bon, elle a écrit très heureuse. Non, elle est très saoulée, d'accord? Croyez-moi, moi je sais mieux que le jeu. L'imagination. Elle est très saoulée qu'il doute de ce qu'elle lui annonce, quoi. Hop. Ok, je vais enlever un peu de très heureuse, là. Hein, on va peut-être se calmer un petit peu. Voilà, tendue. Elle est un peu tendue. Vous faites trop rire. Vraiment, cette émote, il fallait la mettre. Hein. Maintenant, Edgy va pouvoir sortir sa poubelle ou quelqu'un d'autre pourrait tomber dessus. Ah ouais, putain, c'est ça que je voulais faire de base. J'avais oublié. Je me suis laissé prendre par le jeu. C'est vrai que c'est comme ça que je voulais qu'il l'apprenne en fouillant la poubelle. Bon, j'ai merdé. J'ai merdé, il le sait déjà. Il le sait déjà, c'est pas grave. On va la vider, du coup, t'as raison. J'ai oublié mon propre trope, JPP. Toi, tu oublies les noms. Moi, j'oublie les trucs que j'ai envie de mettre in-game. Voilà, imagination, il l'a pris par la poubelle. Non, je rigole. Non, tant pis. Tant pis, elle vide sa poubelle. C'est bon, elle vide sa poubelle. C'est quand même moins drama qu'elle lui a dit clairement. Oui, ouais. On se complète. Exactement. Pépé. Au moins, il est au courant, là. Now he knows. Now he knows. On va voir un peu comment il se réconcilie. J'ai complètement oublié, les gars. Pourtant, j'ai mon texte ouvert sur ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais du coup, attends, ça veut dire que mon test de grossesse, il flotte, là? J'ai pété. I got carried away. Bah, elle est loin, la poubelle, wesh. Donc du coup, bon, là, il est au courant, maintenant. Et c'est Tandax de chez Tandax, autant vous dire. Elle a besoin de se divertir, j'avoue, là. Change-toi les idées, regarde un petit film. Ah! C'est le premier épisode d'une... C'est Stranger Things. Si t'avais pas une poubelle plus près, ma vie? OMG. Après, dans tous les cas, c'est pas vraiment ma faute. Il a commandé de la charcuterie. Bon, voilà, elle pouvait pas en manger. Il fallait qu'elle le dise, quoi. Tandax comme un string, je te jure. En plus, on lui fait sortir ses poubelles, là. C'est trop. Mais avant, on a eu l'humain d'un patient super. Smash. Mais je suis presque sûre qu'il est marié, par contre, hein. C'est lui qui quitte. Ah, en plus, regarde. Faible compatibilité. Conjointe Liliane. Voilà. Bad news. Bad news. Coucou, Pimprenelle, comment tu vas? Vraiment bad news. Merci, Ludil, pour ton lurk. Hop. Elle retourne à la poubelle. Non, mais ma vie, il faut s'arrêter aussi à un moment donné. Et merci, Léa, pour le follow. Bienvenue. Bienvenue parmi toutes les Léas.
Barf, et Jean, on n'est pas à son premier homme marié. Dit comme ça, joue comme ça. Elle est au bout de sa vie. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, c'est trop. Encore une Léa. JPP. Va tenir un compte, Léa. Et je crois qu'il va falloir, hein. Ouais, c'est 10h. C'était 10h aujourd'hui, Pimprenelle. T'avais pas vu le planning? Envie de tester un truc. Un compteur de Léa. Non mais elle va jamais en finir de ses poubelles. Il est minuit, ma belle. Va regarder ton film. Ton épisode. Après, elle va se prendre un petit bain pour se détendre ou un truc. Ah non, on n'a pas de baignoire. Bah, une petite douche, alors. Une petite douche pour se détendre, ça marche aussi. Chanter sous la douche. Donc ça sera validé. Ah, elle a un petit creux aussi. Bah ouais, du coup, c'est vrai. Elle a rien graille. J'ai coincé l'assiette. Je la bois pas. Ça a plus l'air de puer, là. Peut-être un truc rapide, hein, au micro-ondes. Un peu la flemme, là, je pense. Hein. Burrito petit-déj. Eh, burrito petit-déj à 1h du sbar, ça se tient. Attends, t'as fait quoi? J'ai fait un sondage pour compter les Léa, dénoncez-vous. Il y en a que deux, là, à voter. Quand il y a que deux Léa? Mais ouais. Je vais manger. On est seul. Mais c'est pas possible. Ça ment, là. Vous mentez. Oula. Dramatique, cet épisode. Allez, c'est bon, ça c'est validé. Une petite douche pour se détendre, elle va mieux, elle va mieux. Rien de mieux qu'un petit épisode de Stranger Things, j'arrive pas à le dire. On pourrait aller mieux. Ensuite, elle va grailler un petit truc. Demande de Léa de voter, il y a peut-être des lurqueuses. Les lurqueuses Léa, votez. Voilà. 4. Ah, 4 quand même. Il en manque là. 4, ça paraît peu. Et c'est fou à dire parce que c'est déjà beaucoup. Allez, les Tissam, votez. Qui s'appelle Tissam dans le chat, votez. Ah, oh, ok. Je suis le live avec le casque aux oreilles, j'aurais jamais voté si tu l'avais pas dit. Je vois pas le chat. Jipep. Bah voilà, les Léa, votez. C'est bon? Allez, va graille. T'aurais pu mettre ton petit pyjama là. Petit pige bien confortable. Vous savez quoi? J'ai envie qu'Edgy se coupe les cheveux. Petite coupe courte. Elle en peut plus de ses cheveux longs. Attends, qu'est-ce que je fais? Elle a envie de se couper un peu les cheveux. Je pense qu'on va faire ça. On est plus arrêté de mytho. Mais oui, comment ça, 4? Il y en a déjà... Il y a déjà deux Léa qui sont arrivées dans les dernières heures, là. Dans la dernière heure. Il y a des Léa qui se cachent. C'est fou, hein. Tu viens faire un contre-clan avec Alice, j'avoue. Comment ça va, Alice, du coup? Comment tu vas? Je pensais que tu t'appelais Rouge. Pipépé. Mais comment elle tient son assiette? Ah, c'est bon. Allez. Il est tendu de fou, hein, Kenji. Il est pas bien non plus, hein. Après, on va aller faire un petit dodo. Puis demain, on ira chez le coiffeur. J'ai trop envie. Comment ça, fouiner? On peut fouiner dans notre lit? Fouine dans ton lit. Je sais pas. T'as failli être une Alice? C'est drôle, ça. 5 Léa, en vrai, je sais pas combien on est, là, sur le stream, mais ça, c'est déjà un bon ratio, je pense. Ça me paraît un peu plus legit. Mais en vrai, je suis rouge. On peut fouiller dans son... Dans... Ah, parce que c'est pas son lit. C'est parce qu'on est sur un terrain communautaire, je pense, c'est ça. 14% du chat s'appelle Léa. Ouais, quand même. C'est énormissime. Bon, arrête de fouiller dans ton lit et dors. Ça sert à rien, ce truc. Coucou Kimi, comment tu vas?
Ah, tu te souviens de son prénom? J'ai failli m'appeler Cassandre. Ah ouais! Moi j'ai failli m'appeler Marion. Enfin, j'ai pas failli en fait. C'est... Le terme est trop fort. Mais d'or, Heidi! Mon père voulait Marion, ma mère voulait Calisté. Voilà. Donc j'ai pas failli en fait. Parce qu'on savait qu'il allait avoir le dernier mot. Je crois que je préfère avoir du P que les refs de piscine. Allez, gros dodo là. Ah, ça y est, on peut avancer super vite en fait. C'est bien parce qu'il y avait le chat tout à l'heure. Audrey sur la liste. Ah ouais. Pas moins loin, l'a remporté. Mais 5 Léa quand même dans le chat. Mais elle a overslept. Il est 9h30. Faut ouvrir la clinique là. Ça aurait été Alexandre. El famoso Alex. Moi, ma mère, elle voulait Kostia ou Gaylor pour un garçon. Et mon père voulait Manuel Joachim. Voilà. Donc on sait encore une fois qui aurait gagné. Alors, j'ai envie de lui faire une petite coupe courte. Ah ouais? Tu trouves qu'il y a, plus d'Alice qu'avant? Petit passage chez le coiffeur. Je pense que ça va trop bien y aller, un petit carré. Attends. Ça, non. Non. Plutôt un truc comme ça. Ouais. On flic. Mais peut-être pas celle-là, tu vois. Tu me sais, je suis une fille pour un gars. Ma mère voulait m'appeler. Attends, j'ai pas vu. Willy. Moi, j'aime bien, c'est mignon. J'ai échappé à Farida. Ça va. En fait, j'ai l'impression qu'on trouve toujours les autres prénoms pires, non? Franchement, Farida, ça va. Sauver Willy, ça aurait été terrible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sauver Willy. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi, t'as raison, Kimi. T'as raison, Kimi. Alors, petite coupe carrée. Ah, tu vois, celle-là. Non, pas ça. Nouvelle era, là, pour AG. Ça, c'est trop ondulé. Non. Je pense qu'une frange lui irait pas trop mal. Non. Pourquoi elle a l'air d'avoir un front aussi grand, là? Attends. Ma mère voulait Béatrice et mon père Manon. Trop chelou. Si on habitue à nos prénoms qu'autre chose, ça nous paraît horrible. Ouais, ça. Après, ça arrive que certains détestent leur prénom. Hein. C'est un peu ma phobie que mon fils n'aime pas son prénom. Mais les franges paraissent courtes, non? Quel coupe lui irait bien, là? Quand même celle-là, hein. Léna, c'est trop Stylax, ouais. Mes parents hésitaient entre Léa et Malicia. Au final, je m'appelle Léa et mon deuxième prénom est Malicia. Ah, mais tu t'appelles Léa, du coup! En fait, on n'aime pas notre prénom. Ah ouais? Moi, ça va. Franchement, je crois pas que j'ai eu une phase où j'aimais pas. Non, mais c'est les coupes. Y'a rien qui me plaît, en fait, donc courte. Finalement, elle a changé d'avis, elle va pas se couper les cheveux. Merde, viens là. Mmh.
Elle est chou avec celle-là, non? Profite bien ton leurre, coq clarinette, merci beaucoup. C'est ce que veut dire vos prénoms, l'étymologie. Oui. I do, unfortunately. Ouais. Ouais, cette coupe, on peut... Enfin, elle est importable. C'est Playmobil, ça. En fait, il n'y a pas de profil, ouais, de fou. C'était celle-là? Ça change un peu, quoi. Coucou, Manon. Celui-là? Le carré droit, j'aime beaucoup. Ouais, ce carré-là, Perli. Big changement pour Edgy, de fou. Elle est en mode, vas-y. I'm a new person. Par contre, du coup... Ça veut dire que cette coupe-là, par ex, elle peut plus la faire, quoi. Quoique... Ouais, c'est juste, hein. Je pense que c'est juste. C'était quel carré, déjà? C'est celui-là. C'est chiant quand il faut changer sur toutes les tenues, là. Si elle met un boudin dans le chignon. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais j'ai aussi vu des vaches fatiguées. Du coup, je sais pas trop. Ah ouais? Ça veut dire sauveur. C'était un gon sympa dans la Bible, je crois. Les potes de glace et d'eau, j'avais souvent l'impression d'être appelée comme... Je m'appelle Tessa. Ah, trop chou! Je pense que ça peut aller, mais j'ai jamais porté, je sais pas. Trop chou. C'est trop mignon de Tessa comme prénom. Tac. Paf. Ah. D'accord. Bah ça tombait bien du coup. Bougez pas ma petite dame. Bah elle est pas en habillée là. Ah si. Ça, c'est finito, ça. Petit carré pour faire le sport. Petit carré pour dodo. D'ailleurs, là, je vais y ajouter une autre tenue dodo parce qu'elle a que son slip. On va lui mettre autre chose. En plus, on est en automne. Ça commence à faire frisquet. Oh, cute ce pull, là. Est-ce qu'il y a rose? Ouais. Celui-là est un peu plus rose, ouais. Encore plus rose. J'aime bien le bien rose, là. C'est beau, le vieux rose. Ouais, c'est vrai, le vieux rose, il est pas mal aussi. Celui-là. Ok. Ça ressemble à son appart. Et en bas, on va lui mettre un truc, un peu un jogo, là. Pas mal, ça. Ça a l'air confit, ça. Petit chausson. Il n'y a pas de rose. Petite claquette alors. Oh. Wow. C'est le pigeon rouge. La tenue trop confiée du dimanche. C'est ça. De fou. Je sais pas s'il y aurait un tout petit chignon attaché. Un tout petit... Ah, il y a ça. Ça peut marcher, ça. C'est pas... C'est pas hyper beau, mais ça se tient au niveau de la coupe. Ouais, je comprends, Tissem.
Non, mais quand je veux dire BG, je parle plus du... J'aime pas trop la, tu vois, le derrière de la coupe. C'est pas tellement que ça lui va pas bien, c'est plus que... J'aime pas trop cette coupe-là en particulier, quoi. Mais je crois pas qu'on ait une autre petite... petite queue comme ça. Sinon, quand on a les cheveux attachés, généralement, c'est des gros trucs. Tu vois, genre là, bah t'as un énorme chignon, quoi, c'est ça. Donc je pense qu'il y a que celle-là qui correspond à peu près au niveau de la taille. Et après, il y a un petit kiki comme ça sur la tête, mais il y a la frange, donc ça va pas. Mais là, on dirait Tessa, du coup, quand on parlait tout à l'heure de glace et d'os. C'est trop Tessa, ça, elle avait cette coupe-là, wesh. Ouais, je vais la garder comme ça, je pense que ça se tient. Détaché. Attaché, ouais, ouais, si ça se tient. Nickel. Voilà, là, elle va être un peu plus confortable. Bah c'est ça, c'est que c'est un undercut, c'est pour ça. Mais on imagine que c'est juste des petits cheveux qui en fait sont tombés de la queue. Tu sais, des fois, t'as pas assez de cheveux et du coup, ça tombe un peu. Sinon, je vois que ça, hein. Parce que là, je vois pas une autre coupe où elle pourrait les avoir attachés. Après, elle est pas obligée de les attacher, hein, en vrai. Petit kiki comme ça. Cette coupe a tellement mal vieilli. Ah ça. Je vais voir au niveau de la longueur. Ah non, c'est plus long. Non, bah les attache pas au pire. Ils sont trop courts pour être attachés, hein, probablement. Pardon. Elle est où la coupe? Elle est là. Ouais, tant pis, elle reste comme ça. Hein. Coucou Lola, comment tu vas? Mon mec fait ça, il a à peu près cette longueur, je valide. Ah, nickel. Attends, je l'aime bien, un peu ces classiques intemporels, un peu badass presque. Là, en vrai, donc là, ça se tient. Je pense, hein. Je pense qu'au mieux, ça fait comme s'il y avait des mèches qui tombaient de sa petite queue de cheval, quoi. Ça me choque pas. Attends, c'était laquelle? Faut éviter d'avoir trop de volume dans le cou. Parasé, mais vraiment plus court. Ah oui, ouais. Ouais, merde. Tac. l'épisode a eu lieu vendredi. Lola, il est dispo en rediff sur Twitch et sur YouTube. Voilà, donc là déjà elle va être un peu plus confortable pour la fête. OMG, c'est vrai qu'elle avait cette coupe incre. Bon là du coup c'est court, hein. C'est court, c'est court. Allez là. Ah oui, j'avais oublié ça. Putain, on s'était gavé sur cette tenue aussi. Ouais, ça lui va bien, hein. J'aime bien, moi, son petit carré, là. Il était par là, non? Ça change un peu, quoi, tu vois. Ah, c'est par là. Non? Merde, faut que j'en ai faite. Ah ouais. Même sur... avec cette tenue-là, c'est trop mignon. Oui, Lola, la rediff sur le secret de Rebecca, ouais. La moutarde Montoni. C'est ça le titre de l'épisode. Bah, pas le droit au maillot de bain? Qu'est-ce qui s'est passé, wesh, avec les tenues en... Petit maillot de bain... Bon, après... je pense pas que là, elle va aller se baigner beaucoup dans cet épisode, mais bon, c'est bien quand même de l'avoir. Mais pourquoi la... cette coupe n'est pas disponible sur tous les trucs? Enfin. Là. Même je suis spoiled. En fait, spoiler, c'était une wig depuis le début. Coucou Prisky, comment tu vas? Prisky, comment tu vas?
La tresse aussi, ça lui allait bien, là. Elle était pipou, quand même. Mais bon. Ça repousse les cheveux. C'est pas grave, il faut changer de temps en temps. Mais... C'est bon, faut que je re-télécharge le mode mort colonne, j'en ai marre. C'était par là? Ouais, c'était par là. Non, t'inquiète Lola, on n'a pas encore vu pourquoi. Ouais, t'as mon pseudo sponsor Prissy. Ça marche, Prissy. Moi ça va, merci Prissy. Hop, par contre cette tenue d'hiver là, je me souviens pas du tout qu'on ait mis ça. On avait mis que du rose comme ça partout? Wesh. Bon, de toute façon, il n'y en a pas besoin maintenant. Ok, voilà. Oh, trop chou. Yeah, why not, Rob? You know, we discussed about it last night. You have some sort of ravioli in the fridge, if you want some. J'ai pas quitté. Pourquoi ça m'a dit un écran noir? Hop, voilà. Je viens de voir que mon prénom numérologie, c'est le 4. J'ai lu, je me suis bien retrouvée dedans. Ah ouais? Comment ça, DTS? Je les télécharge, quoi. Ça va et toi, Sophie? Comment tu vas? Oh putain. Alors, en mode hi-haw, commode, changer la tenue. Non, moi. Ah, si, elle est trop chou. Si, ça change. J'aime bien. Plein de numéros, j'ai des numéros de maison. Thank you, my love. Bah, on fait quoi? On ouvre la clinique, hein? En vrai, vendredi, il faut bosser, hein? Pas de repos pour les braves, hein? Mais comment on les télécharge? Il y a des tutos sur YouTube, ouais. Généralement, c'est tout simple. T'as un bouton qui s'appelle Download. Ça veut dire télécharger. Tu cliques et tu le mets dans ton dossier Sims. Et puis voilà. Avec plaisir. Et si jamais sur ma chaîne Capons... Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos CC où tu pourras retrouver des choses répertoriées de thèmes en particulier. Alors, j'ouvre. Gling gling! Viens dans ma clinique! Hein. Putain, c'est Halloween demain, quoi. C'est Halloween. Hein. Ah! Bonjour, bonjour madame. Est-ce que vous êtes la femme du mec que Léala veut pécho? Non, je crois pas. Si! C'est elle! Qu'est-ce qu'on fait? Plus de choix, méchant, bagarre, coup de poing dans la gueule, ça? Je rigole. Se battre au sol, donner une claque, ça me fume vraiment. On l'assassine. Ça me termine. Bonjour madame, on est très intéressé par votre époux. Voilà, voilà. Présentation de Cow Sims. Plaisanter à propos de l'animal. J'y pèpe. C'est un jeu dangereux. Esprit très malsain. J'y pèpe, la pauvre. Elle a l'air adorable. C'est un jeu qui me plaît. Tu sais, il faut se rapprocher de ses ennemis. Donc faisons une présentation chaleureuse. Elle est tellement drôle. Ah, ça, c'est magnifique. Le sentiment est incroyablement positif. Liliane. Ah non, elle nous aime pas. Ah non, Sine, c'est nous qu'on l'aime pas. Apple Jerry envers Liliane, Sim rêveuse. Mais Liliane nous trouve intéressante. Elle nous invitera peut-être à dîner. Elle nous invitera peut-être à dîner. On découvrira leur belle maison, leur beau ranch. Leurs beaux animaux, leurs beaux enfants. Paddington. Paddington is sick. Accueillir.
Un trouble. J'avoue. C'est vrai qu'elle est smash, ouais. Madame ? Partez pas, hein ? Elle nous kiffe en plus, regarde là. Comment elle nous regarde. C'est une Barbie, elle aussi, un peu, hein ? Paddington a l'air un peu malade. Ben ouais, je me doute, hein. Je me doute que tu viens pas me rendre une petite visite de courtoisie. Ça, je m'en serais doutée. Rip Kenji, voilà, il y a plus de... Oh ! Elle a mis cette tenue-là ! Elle est trop mignonne ! C'est mignon ! Ça fait très professionnel avec sa petite coupe. Oh putain, il y a un animal qui a vomi. Allez, hop, 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 on s'installe. Alors, bon là, clairement, il est bleu. Il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là. Oh, je dois découvrir 5 trucs. Oh la dingos. Alors, examen. Bah, prendre la température, là, je pense que... Voilà. Peut-être qu'elle est venue voir la concu. Que son mec a parlé de la chouette nouvelle véto du coin. Après, le chat a quand même l'air malade. Hein. Si je puis me permettre. Examen des yeux. Paf. Ah. Fourrure glaciale, température basse, peau trop moite, yeux secs. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Écoutez le cœur. Fourrure effroyable. Ok, c'est bon, on a trouvé. Alors. Mais attends, il n'y a aucun traitement qui marche là ? Mais attends, faut faire quoi du coup ? C'est un moment où elle va réapparaître. Attends, mais tous les traitements sont pas bons à part le cône là ? Je peux utiliser le cône ? Utiliser un cône. De la honte est un moyen infaible de guérir une maladie, mais l'animal et son propriétaire ne vont pas être ravis. Ah. Ah. Donc plus de choix. Bah ouais, plus de choix. C'est négatif aussi. Y'a que le cône alors. Ah, je teste l'opération. Allez. Dez. Moi, je m'éconne de la honte quand il n'y a rien qui marche. Ah ouais, ça marche généralement, Lola. J'essaie l'opération. Soyons fous. Elle est pas contente. Ben, désolée, hein. Je fais ce que je peux. Pour aider votre chat qui est tout bleu. Allons-y. OMG. On sait que tu as pas tous les symptômes. Ben, si. Et j'ai même le diagnostic. Il a fourrure effroyable. Ouh là là. Alors ? Il va sortir à un moment donné ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Merci Ada pour le follow, bienvenue. Attends, ah, ah c'est pour... Oh, scanner les intestins. J'avais pas capté qu'il fallait que je fasse un truc, ok. Opération. Ah c'est ça ! Réajustement du seuil de chatouillement du ventre. Ah ! Et Jake opère à l'aveugle, je te jure. T'as vu, Tiff, ça lui va bien, hein ? Je regrette pas du tout, au final. Ça y est, ça y est. Bah, il y a un petit cône, quand même, au final. C'est bon, c'est fini. Hein. Facturé. Bah, alors là, j'espère que ça coûte cher, hein. Qu'est-ce que vous faites, là, madame ? Gina, c'est votre chat qui a vomi dans ma boutique, là ? Mais pourquoi il retourne sur la table ? Ça, c'est terrible, hein. Terminé l'examen, merci. Alors, ma petite dame, bonjour. Vous êtes déjà en train d'examiner ce patient. Ah bon ? Comment ça ? Opération 90 000 simflouz. On peut rêver, hein. Il y a donc des animaux qui ont vraiment besoin d'une opération. Oui, si vous trouvez pas dans la liste, peut-être que c'est l'opération. Barrez-vous, hein ? Elle nous espionne, vous avez raison. Liliane, il s'agirait de se tirer. Just go away.
Putain, j'espère que je vais avoir mes sous par contre. Apparemment, on a eu la démo en direct. Je viens de découvrir que l'opération marche, je mets toujours le cône. Mais maintenant, je le sais grâce à toi. Avec plaisir, du coup. C'est bon, elle a payé. Ouf. Je ne sais pas ce qu'a Lulu. Oh, trop chou! Mais son comportement est inquiétant. Pensez-vous pouvoir l'aider? Oui. Je vais aider Lulu. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, oh, j'ai pas eu le temps de voir. Kendall qui avait écrit encore un message. Oh là là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kendall? Alors, examen. Là, on a 3 symptômes. Peut-être que quand il y a 5 symptômes, c'est l'opération. Oups. Écoutez le cœur. Examinez la gorge. Haleine atroce. Alors ça, c'est pas une raison de consulter, hein. Traitement essence de placebo. J'allais dire, oh putain, il n'y a pas encore, faut l'opérer aussi. Juste pour une haleine. Ta mauvaise haleine, tu te fais opérer, ouais, c'est bon. Elle va nous faire comme dans son épisode, oui, j'arrêtais pas de l'appeler pour dire qu'elle est enceinte, je te jure. Comment ça, ô témérite? J'ai organisé une fête, moi? Organiser 50 événements sociaux de niveau bronze ou supérieur avec l'ensemble des Sims. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est un détartrage, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça marche comme une opération, un peu, genre. Merci, Charlène, pour le follow. Ah, Elon, il est Elon, c'est vrai? Oh, merde. Ça faisait longtemps, en vrai, hein. Oh, mais c'est dégueulasse. Si, mais tout le monde dégueule. Bonjour, madame. Madre Wallace. C'est bon, Lulu, on l'a déjà examiné, non? Arrête d'examiner Lulu. Thank you, madame. No, thank you, Omar. You put some tomato? Oh, c'est fancy! Merci, Chip. Mais pourquoi elle n'examine pas lui? Accueillir un patient avec impatience? Mais pourquoi avec impatience? Oh non, elle est de retour, elle, Angelica Cook. On dirait une voyante de fou. Mais pourquoi avec impatience? Elle est tendue, c'est peut-être pour ça. Elle est revenue, je te jure, c'est trop. C'est trop. Oh putain, c'est chaud. Shadow. Vas-y, viens, Shadow. Shadow? Allez, là. Impatiente d'être payée, c'est ça, hein? Alors, 4 symptômes. Examen. On inspecte les oreilles, la temperature, la respiration et les yeux. Let's go. Mais quoi, direct? Mais attends, il y a Barbara qui veut venir passer du temps ici. Mais ça va pas. On est au taf, hein. Il faut faire ça... il faut venir... quand je suis pas au taf. Merci, chandelle. On a une busy bee, là. En plus, je pense, premier doc, que Heidi, elle a un peu envie de faire... peut-être pas la coupure, tu vois, mais là, sa vie est en train de changer de fou malade. Et elle a peut-être un peu envie de... peut-être moins envie de les voir et tout, aussi. Putain, il est surstressé là. Calmez le patient. Apaisez l'animal. J'espère qu'on va avoir un bon chiffre d'affaires là. Ouais, t'as raison, Léa, là, ouais. C'est bon, t'es calme? Traitement. Allez, c'est toujours le même.
façon, là, je pense qu'après, il faut fermer. C'est qui, Kenny? C'est qui, Kenny? C'est qui, Michael Davis? Trop de noms, là. Trop de noms, là. Je pense que Léa, elle est perdue. Ouais. Ouais, t'as raison, rouge. Alors, kaku, je vais essuyer ça très rapidement. Ne faites pas attention à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est pas soigné? Ah mais non, c'est le nouveau patient, ça. Ok. On va s'occuper de toi après. Après avoir nettoyé un peu. Mais c'est ça. Dans les PNJ random, bah lance-toi, ouais. Tu sais pas si tu les envoies dans les bras d'un serial killer, mais enfin. Alors. Kaku. Ne monte pas ici, s'il te plaît. Monsieur Evil. Evil. Mais je l'ai déjà fait accueillir, merde. Vas-y, on peut t'examiner, toi. Merde, elle l'engueule. Mon petit monsieur Evil a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Ouais, il est trop chou, le chat. Merci, Frenchie. Après, tous les animaux qu'on a vus, là, ils étaient trop mignons. Mais c'est qui? Mais ouais, je suis une star, hein. C'est moi, Ken Vini. Voudrais-tu aller à un rencard avec moi? Rafraîchissez-moi la mémoire, c'est qui? Ken Vini, c'est un de vos Sims? On avait eu un date avec lui? Il sort d'où, wesh? Aucun souvenir, on est d'accord? Je vais mettre mon merci, mais attends, je regarde quand même qui c'est. Coupe de cow-boy. Il avait un coup de foot pour nous, JPP. Tu m'étonnes qu'il nous invite au rencard. C'est trop. Bah je sais pas qui c'est. Ah si, on n'avait pas dansé avec un boug dans un bar là. Il n'y avait pas eu un bail comme ça. C'est pas le mec qui a dansé à Chestnut Ridge, c'est ça Jojo. C'est ce que je me disais là d'un coup. C'était lui. Le jour où elle est arrivée, genre, elle est allée en boîte de nuit, elle a dansé avec un type, c'était lui. Oh, il l'a toujours pas oublié, wesh, ça fait des mois, frérot, passe à autre chose. Au spa, en plus, tu sais, le rencard au spa. En plus, il n'y a pas de spa à Chestnut, donc ils doivent faire la route. Et tu sais, il y a écrit faible compatibilité, frère, lâche l'affaire. Alors, examen, oreille, temperature. Mieux. Respiration. Trop de bougs, on est perdu, je te jure. Trop de potentielle histoire d'amour, alors c'est trop. Alors, fièvre de la griffure d'écureuil. Petite opération? Non, une piqûre, on l'a jamais faite, celle-là. Mais du coup... Non. Là, les gens, ils peuvent acheter mes trucs? Comment je fais pour que les gens l'achètent? On peut pas acheter. Ça sert à rien. Ok. Oh, le chien! C'est Bruno! We don't talk about Bruno, hein. Attends, je vais fermer, là, il est quelle heure? 17h. Bonjour Bruno.
c'est chiant ça. Tu es terminé toi. Ce sont les clients qui décident normalement. Ah bon? Mais là ils achètent rien. Comment je fais pour mettre à vendre? Ah, faut que je sois en mode boutique, non? Pas en mode veto. Ouais, Bruno est pas comme d'hab. Allez, on PLS de chez PLS. Attends, je vais juste... Voilà. Alors, Bruno. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'as la bleue Jivite, là, ou je sais plus quel nom c'est, là. Examiner la peau et la fourrure. Mais j'ai encore des trucs à découvrir. Purée. Moi je laisse comme ça et petit à petit tout se vend. Ah ouais? Bah ils ont pas l'air pressés là. Niveau 8, purée. Purée effroyable. Opération. Allez Bruno, tu passes à la casserole. Désolé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je voulais dire un truc pour avoir tout ce vent là. J'ai oublié. Attends, je vais faire ça. Amener sur la table, voilà. On y va, chop chop. 18h30 là. Après, c'est sympa de gérer une clinique, hein. Mais c'est quand même assez redondant. Je pense qu'il faut avoir plusieurs signes dans son foyer et faire d'autres trucs parce que. Alors. Mais wesh, mais qu'est-ce que vous avez tous? Il est temps d'enrichir votre palais et votre livre de recettes. Allons tester de la nourriture au festival des épices pour voir si nous arrivons à retrouver la recette. C'est une bonne idée, mais je suis au travail. On y va après si tu veux. Wesh, pourquoi le chien s'est devenu une peluche? Ouais, c'est vrai Manon. Ce qui est marrant, c'est plus grande clinique et tu as des employés et plus de patients. Ah ouais, ouais, je comprends. Makes sense. Combien? 450 balles! Incre ça. Du coup, combien j'ai gagné aujourd'hui là? 1628, ça va hein? C'est pas mal hein? En vrai d'oeuvre. Quand les Sims t'invitent, au lieu de répondre ou non, on puisse programmer le rendez-vous. De fou. De fou, parce que là, j'ai dit non à plein de monde. Mais en vrai, on aurait pu faire des activités sympas, mais juste pas quand j'étais au boulot, quoi. Donc là, par exemple, on pourrait aller au festival des épices. En plus, elle a besoin de se détendre. Et elle va pouvoir en parler à Lupita aussi de sa grossesse. Ah bah tiens, elle a reperdu son ventre. On notera. Oh, elle est chonchon, hein. Oh, elle est chonchon. Elle est pas contente. Révolutionne. Elle est vraiment pas contente. Elle est choquée déçue. Alors, je vais faire comme ça. Se déplacer. Après, il y a un peu de route quand même pour aller à San Michuno, mais bon. Imagination toujours. Hein. Elle prend le train, ça va. C'est où? C'est quel festival, là? De toute façon, le festival, c'est toujours ici, non? Ah putain, j'ai loqué. J'ai oublié, attends. Ah mais non, je peux pas voir si c'est pas une notif. Les festivals, c'est toujours dans le quartier des épices, on est d'accord. Faut que j'aille là, genre. Ouais, elle a coupé ses cheveux, hello, t'as vu? Elle est trop choupette, hein. Du coup, c'est Lupita qui nous a invités. Bah, elle est où? Voilà. Hop là.
Merci, Frenchy. Comment tu vas, Hello? Ça dépend du festival. Ah bon? Merde. Voyons voir. C'est bon, c'est là. C'est bon, c'est là. Pouf. Alors là, je vais juste lui changer un peu l'outfit quand même. Donc vous vous souvenez, Lupita, c'était sa belle-mère. Enfin, c'est même pas sa belle-mère en fait. C'est compliqué. En gros, vous vous souvenez, sa mère à AG, donc Brooke. Elle a été un peu avec Lupita, un peu avec Spencer. Donc Spencer, c'est le père d'AG. Et voilà, ça, elle alternait un peu comme ça. Pas chez moi deux minutes, alors j'en profite pour mettre un mur pendant mon absence. C'est trop chou, Ninouche, comment tu vas? Commode. Changer la tenue, hop. Petite tenue. Oh, regarde, elle prouve d'où elle vient là. Maintenant, je suis vraiment Chestnut Ridge. Et merci Diane pour le follow, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est quoi votre pack préf? C'est chaud. C'est chaud parce qu'on s'est rendu compte en faisant les listes d'ailleurs l'autre fois que. Des fois, c'était sympa de faire des cross-packs et d'avoir différentes choses aussi. Viens, on va tester ça. Tenter le défi curry épicé ensemble. Ah, elle est contente, elle fait la fête. Jipep. Heureuse, dans son élément. Épanouie. Oh, biche. Trop mimes. Avec plaisir, Diane. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Parler les Capanzor. Je dirais grandir ensemble, mais sans saison, par exemple, je pense qu'il est beaucoup moins intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Ouh, c'est chaud. Apparemment, Eddie n'a pas l'habitude de manger de la nourriture épicée comme ce plat. Avec le temps, il est là. Ok, elles se sont cramées la bouche, quoi. Là, il y a des trucs à tester aussi. Comme ça, pour aller refaire. Non, mais Barbara, encore. Alors, on se demandait si je voulais lui rendre visite. Elle veut nous inviter pour qu'on visite son appart. C'est avec plaisir, mais elle nous invite pas à passer maintenant. Mais oui, on viendra voir ton appart, bien sûr. Goûter la nourriture ensemble. Elle est trop chou. Mais regardez-la. Juste, point faible, trop belle, quoi. Ingre. Ah, je l'aime trop! Regardez comment elle est pépette. Oula, non, attends, elle fait un peu peur, là. Fini de sourire pour voir? Trop chou! J'avoue, elle kiffe, hein. Elle est contente de se vider la tête, de se changer un peu les idées. Après cette journée de taf et puis cette histoire avec son vieux boug, là. Par contre, il n'y a pas grand-chose à faire à ce festival, si? Jeter une pièce, ok. On peut acheter un t-shirt, bon, voilà. Pas fou quoi. Bah ouais, a priori son bidou est parti, il était là tout à l'heure et voilà. On allait dans le CUS, on lui a coupé les cheveux, on est ressorti, il avait plus de bidou. Je sais pas. Pas grand chose de sympa à acheter là. Wasabi, ouais. Y a pas de t-shirt là? Acheter une babiole. Vous ne pouvez pas porter une quarantaine. Mais je peux pas acheter de t-shirt parce que j'ai une tenue corps entier. Sérieuse. Et merci Ona de Lim pour le follow, bienvenue. Le jeu qui jette, c'est ça. Ah, je suis dégoûtée, je voulais un t-shirt moi. Heure de gloire. Ah ouais, Heure de gloire, il est cool aussi. Le bidon magique, c'est ça. Ça dépend de sa tenue, on va dire. Des fois, c'est plus visible que d'autres. Chandelle. Chandelle romaine du festival des épices. Envie de l'acheter juste parce que chandelle, quoi. Ça va lui servir à rien, mais bon. Boule à neige. Une petite boule à neige pour son appart. Ça fait un petit souvenir. Voilà. Le sim porte directement le vêtement sur lui avec une tenue complète, elle va pas avoir de bas. Ah, c'est nul. Ils auraient dû penser à ça. On l'achète, mais on la porte pas. Viens, on va s'asseoir ici ensemble. On va papoter, on va rattraper un peu le temps perdu. Monsieur, j'ai réservé cette table. Elliot Harris. Just go away. J'allais faire présentation dragueuse. Wesh. Kendall? Kendall, c'est toi? Kendall nous a rejoint, je pense.
Qu'est-ce que tu fais là, Kendall? J'allais dire, mais pourquoi elle joue de la musique? Mais c'est vrai qu'elle est musicienne. Kendall, tu nous snobes, j'avoue. Oh, elles ont tellement changé depuis qu'elles vivent ensemble. Les pépettes. Trop mimes. Kendall, tu te souviens de Lupita? Amicale. Pensée profonde. Demander des conseils en amour. Alors, Kendall, écoute-moi bien. Il se passe des trucs pas clairs. Kendall, tu as quelque chose à nous dire? Pourquoi? Ah, parce qu'elle nous évite? Non, mais là, papote un petit peu. Alors, écoute-moi bien. J'ai peur. Je discute des peurs. J'ai peur, je suis enceinte et je l'ai dit au mec. Et le mec, il a dit, t'es sûr que c'est le mien? Donc, je crois que ça se passe pas très bien. Ça se profile pas un avenir très joyeux à l'horizon. En plus, il est marié et sa femme, elle a disparu. On sait pas où elle est passée. Je te spoil le premier épisode de la saison en même temps, pendant que j'y suis. Elle est pas très contente. Demandez comment s'est passée la journée. Et toi, sinon, quoi de neuf? C'est vrai qu'elle pourrait être vexée. On pourrait se disputer. Ah bah, tu vois, il y a un truc un peu négatif. On peut peut-être se conflictuer, là. Se disputer à propos de la musique, toujours. Madame? Mesdames? Cassez-vous, en fait! C'est une dinguerie, ça. Je comprendrai jamais les Sims. Marie? Elle ressemble pas du tout à Marie, là. Elle est pas reconnue. Je peux pas la just go away? Ah, si. Je croyais que c'est pas comme si c'était une célébrité, je pouvais pas, tu sais. La musique est un grand sujet de discorde dans ce jeu. C'est fou qu'il n'y a pas se disputer à propos... je sais pas, ne serait-ce qu'un truc un peu générique, mais qui marche, tu vois. Se discuter à propos... de quelque chose qui nous a vexé ou un truc comme ça, tu vois. J'ai pas le terme, mais... pourquoi se disputer à propos de la musique, de la politique? Alors oui, ça peut être source de débat, mais bon, oula. Ouais, elle se dispute un petit peu. Et Kendall va lui avouer que dans tous les cas... On va s'excuser avec élégance. Dire c'est les hormones, désolée. Rien que de la vie. Ah ouais, voilà, de la vie. Se dispute à propos de la vie. Kendall va lui annoncer qu'elle part vivre à son tour, loin de Manuela Promenade, puisqu'elle va vivre ici, à San Michuno. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait un peu du repérage pour vivre avec sa moitié, dont j'ai oublié le nom, Bartola. Coucou Lydie, comment tu vas? Oh là, mais elle continue à son guirlandais, hein. Ah ouais, hein, d'accord. Ok. Un peu fifou. Tellement fifou qu'elle est partie, je crois, Lupita, non? Ah ouais, elle est partie. Elle a vu les copines s'engueuler, elle a dit « Oh, bon, bah moi, je te laisse, hein, Eiji. On se voit bientôt. Bisous !» Mais, et Kenegrim? Quoi, Kenegrim? Qu'est-ce qu'il a, Kenegrim? Tu l'as vu? Tu l'as vu in the city? Monsieur, ça va? Vous kiffez les dramas, là? On est où, là? Si elle déménage, on va jamais le voir. Ah, bah peut-être qu'elle viendra rendre visite à Quentin. C'est son pote, après tout. Coucou, Mayu, comment tu vas? Oh! Oh my gosh. Oh my gosh. Ça make sense, tu vois. Loin des yeux, loin du cœur, hein. Elles sont beaucoup moins amies qu'avant, et là, ça commence à se friter, quoi. Blessée, rancune après un conflit. Oh non! Ça va super, j'arrive tard. Y a pas de souci, Mayu, t'inquiète. Ou elle déménage avec ses colocs. Non. Non, non, elle déménage avec sa meuf, Léa. elle emménage avec sa meuf, plutôt. Ouais. Alors, Eiji est blessée et Kendall a un peu de rancœur. Bon. Voili, voilou. On va rentrer, hein? Attendez, j'ai envie d'éternuer. Pardon, j'ai pas pu le retenir. On va rentrer. Eiji, en plus, elle est tellement commère, je suis sûre, là. Il est 22h30. Elle va envoyer des messages à Barbie en mode « Putain, tu sais quoi, j'ai croisé Kendall à San Michuno. » A priori, elle va vivre à San Michuno avec sa meuf. Chipépé, ça va bitcher dans la conf de groupe, mais sans l'une de la conf de groupe. Oula, c'est compliqué ma phrase. Vous avez compris. On va rentrer à la clinique. Hop, tout seul, comme une grande. Pour rejoindre la coloc de départ, comme ça, elle est bouclée. J'avoue, t'as raison, je joue totalement des nouveaux colocs dans cet appart. Ça peut être rigolo, ça. C'est une bonne idée. On va faire ça.
Hop, la voilà rentrée. Elle a changé d'outfit. Elle va pouvoir s'occuper un petit peu de ses besoins. Elle est... Ouais, tac. Vessie, faire pipi comme une championne. Ah là, elle a envie de crier. Mais t'as mangé au festival, non? La dingos. C'est quoi ça? Hop, mon chat. Il va peut-être falloir apprendre à faire sa vaisselle aussi, ma belle. Hein. Il y a des vaisselles, là, il y a des assiettes qui traînent partout. Dinguerie. Ouais, non, en vrai, c'est sympa la clinique. J'aime bien ce gameplay-là, mais c'est vrai que c'est un peu redondant, quoi. Faut le coupler avec autre chose, je pense. De toute façon, c'est toujours le cas de ce jeu, en fait. Il faut savoir faire du cross-pack, sinon on s'ennuie un peu. Il faut mélanger les packs. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, se fait chier. Attends, mais divertissement, il est toujours hyper bas, hein, la dingos. Elle va manger, et puis elle va aller... Bah, elle va manger devant la téloche. Regarder un film. C'est un peu solitaire, hein, quand même. Ça doit lui manquer, la coloc, hein. Toujours quelqu'un avec qui discutailler. Là, en plus, il y a quand même pas mal de petits soucis entre Ken et elle, la clinique, la grossesse et tout. Tu dois quand même te sentir un peu seule, quoi. Désolée, je suis jamais centrée. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais quand Ken et Eiji étaient au resto pendant les explications de Ken. Ah oui, comment est-ce qu'il a réagi pour la grossesse? Bah, il accuse, enfin, il soupçonne Eiji que ce soit pas lui le père. Du coup, ça a vexé Eiji. Et tu peux pas manger ça en même temps? Donc voilà, ça a vexé Eiji. Donc ils se sont pas reparlés depuis. On a fait une journée veto. Et puis là, elle est allée au festival, elle a croisé Kendall et elles se sont embrouillées, grosso modo. Voilà, prends ta gamelle, comme dirait l'utile, et régale-toi. Ok, tout est bien qui finit bien, ma foi. Elle est après tout très heureuse de sa life. Puis après, elle va faire un petit dos, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec Navika se protéger, Naméo. Ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé ce soir-là, hein. C'était bizarre, quand même, toute cette histoire de tempête, de foudre, etc. Mais ouais, maintenant il l'accuse un peu en mode t'es sûr, hein? T'es sûr que c'est moi? Alors qu'en plus je pense qu'elle a même pas dit je suis enceinte, c'est toi le père. Elle a juste dit bah je suis enceinte et il lui dit mais tu me dis ça parce que tu penses que c'est moi, mais tu crois, mais t'es sûr? Elle s'embrouille avec tous les gens qu'elle croise, mais ça depuis le début, hein. Je sais pas si vous souvenez, épisode numéro 1, elle s'embrouille avec la terre entière aussi. Hop, on va aller ici. Dormir. Non, Miss Lag, je l'ai retapé. De base, c'était pas une clinique vétérinaire et c'était pas un appart. Mais c'est pas moi qui a créé la structure. C'est... Putain, j'ai encore oublié. Vous vous souvenez de son nom? Je l'ai mis dans le chat tout à l'heure. La tempête avait frappé Chestnut Ridge. La tempête capante, oui, c'est ça. Ah, elle est trop chou dans cet outfit. Je kiffe. Allez, bonne nuit, ma belle. J'en ai bien besoin. Elle a une coupe de cheveux, non? Oui, elle a coupé ses cheveux, elle a allé chez le coiffeur, ouais. Ouais, ouais. Ça lui va bien, ce petit carré, non? La tempête capante. JPP. Oh, c'est Halloween! C'est Halloween, on est samedi. Est-ce que... Allez, vas-y, on essaie. Est-ce qu'on n'essaierait pas de proposer un date à Kenji? On va l'inviter sur le terrain actuel. Kenji, Halloween, est-ce que ça te dirait qu'on aille... tu sais, là, le truc, là, à... Comment il s'appelle? La ville du lycée. Il y a un peu des activités train fantôme et tout. Ça peut être dans le thème. Elle essaie, tu vois, elle fait un effort. Alors que c'est pas vraiment à elle d'en faire un, mais enfin. Copperdale, voilà, c'est ça. Copperdale. Merci, Mayu. Elle se dit, voilà. Alors, c'est quoi? Elle aime bien faire des trucs, elle, ou pas? Mettre des déguisements, on s'en fout. Des bonbons ou un sort, ambiance effrayante, raconter des histoires. Trop chou. J'avoue, je fais rarement Halloween en jeu, mais en fait, ça doit être trop rigolo à faire. Genre, tu fais une soirée, tu te déguises, où il y a des enfants aussi, ça peut être trop chou. Faudrait que je le fasse dans des familles, enfin, dans des legacy, des trucs comme ça. Bon, ils osent pas se parler. Parler du temps ensoleillé. Ouais, pourquoi pas, en fait. Ah oui, il fait beau aujourd'hui, hein.
Il va peut-être lui dire « Ah, t'as coupé tes cheveux !» Elle est triste. Oh, biche. Ouais, ça doit être drôle, jamais test non putain, tu vois. Faudrait qu'on l'ajoute sur notre liste des trucs jamais faits dans les Sims, des trucs à faire. En plus, il y a le truc pour craft des citrouilles. Donc ça, c'est une activité marrante avec les enfants, ça. Est-ce que Kenji peut, genre, s'excuser? Illuminer la journée. Merci de m'avoir rappelé, c'est trop gentil. Désolé, c'est par rapport à ce que j'ai dit, pourquoi il est en colère? Enfin, on manque d'activité extrême. Épuisé, bah frérot, il en a pas dormi de la nuit que Eiji lui fasse la gueule, enfin voilà quoi. C'est compliqué. Ah oui, le nom du truc. Miss... Non, Christina Marissa... Christina Maria 80. Christina Maria 80. Elle lui chante une chanson. Ok, c'est pas nécessaire. Viens, on va à un petit date. On va essayer de voir si bon, ils s'entendent mieux. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut leur faire du bien? Leur donner le bénéfice du doute, quoi. Copperdale, petite journée frayeur pour Halloween. On va aller là. Attends, je sais plus quel est le terrain le plus près à la fête foraine. Hop là. IRL est dans les Sims, inviter les petits des petits, les amis des petits, mettre les déguisements de Dark Vador, Princesse Leia et Yoda, ça me fume à chaque fois, j'avoue c'est trop chou. Faudrait que je le fasse beaucoup plus. Ça a l'air trop mime ça à faire. Hop, désolé mais les maps elles sont vides. C'est en cours. C'est en cours, en cours, en cours. Alors, voilà, c'est là que je voudrais qu'on vienne. Et tu vois, il y a ça, faire un tour de manège avec April Chivalry. Venez faire un petit tour de train fantôme, je ne sais quoi là. Ça peut être chou ça. Vous y allez pas? Je suis sur pause? Non, c'est bon. Ah ouais. Mais lui, il court et elle, pas trop. Attends, je vais prendre la vue de Deji. Hop. Boyji, ça va? Allez. Oh les cœurs. Oh les cœurs. Parce que sinon, on n'est pas rendu. Hein. Mais ouais, ça, c'est à ajouter sur la liste de Never I Have Ever, tu vois. De faire des fêtes Halloween. Les fêtes Noël, c'est vrai qu'on a un peu plus tendance à les faire. Enfin, moi, j'en ai fait quand même quelques-uns des Noëls dans les Sims, mais j'avoue qu'Halloween, pas trop. Merci, Léana, pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Allez. Je crois que des fois, il y a des petites... comment on appelle ça? Des petites pop qui s'ouvrent, là, des petites pop-up, et on peut un peu interagir sur... sur le gameplay. J'espère qu'on en aura avec eux. Oh, sorry, Rob, I didn't see your message. Alors, Kenji remarque que la Sim qui l'accompagne n'a pas du tout l'air d'avoir peur. Est-ce qu'il prend les choses en main et lui fait peur lui-même, ou est-ce qu'il essaie de faire croire qu'il est détendu aussi en disant à quel point ce manège ne fait pas peur? Coucou, Lana, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton follow. Et bon lurk, Machi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait Ken? Il lui fait peur? Ou il lui fait une blague? Moi, je l'imagine bien lui faire peur, en vrai. Hein. Il est taquin comme ça. Hein. Il est taquin comme ça, non? Peur, ouais, c'est ce que je pensais. Hein. Ça part. Comment tu veux faire... Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est? Sentiment obtenu. Comment te faire confiance alors que tu as un comportement aussi suspect? Il s'avère que Kenji a mal interprété les choses et que Eiji est en fait terrifié. La farce de Kenji pour lui faire peur l'a même fait pleurer. C'est les hormones, c'est les hormones. Elle se sent trahie par cet abus de confiance et les deux Sims terminent le tour de manège dans un silence gênant. avec un jeu craqué, t'as pas accès à la galerie, c'est comme ça, Léane. Le seul moyen d'avoir accès à la galerie, c'est d'avoir un jeu pas craqué. Hop. Amitié. Suspect. Kenji trouve Apple. Mais attends, c'est Kenji qui trouve. Kenji trouve Eiji suspect. Mais quoi? Mais c'est l'inverse, non? Ils peuvent aller au ciné regarder un film d'horreur, genre il y a une tempête et un beau gosse se retrouve enfermé dans un ranch avec une belle gosse. Je vois ce que tu veux dire, Hello. Il me dit vachement, vaguement un truc, ce film. Le plus, c'est la fête du partage. J'aime juste pas les nains. Ah ouais.
Les attractions, tu les télécharges dans la galerie ou elles étaient déjà là? Non, c'est direct sur le terrain de Copperdell. C'est déjà là, Mayu. Oula, ouais, mais t'as vu, je t'ai décrypté. Je parle le Mayu couramment. on peut faire ça, c'est quoi? Faire un manège romantique. Ils ont peut-être pas trop envie après le truc bien awkward là. Et pourquoi pas ça? Faire de la grande roue avec Kenji. Je suis pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit, mais bon, tant qu'ils sont là. Mais ah oui, après, ils peuvent, pourquoi pas, rentrer regarder un film, oui. Vous entendez les bruits? Mais ils sont où, wesh? Ils sont encore dedans? Faire un tour de manège en maison hantée. Ah oui, ils sont encore dedans, ok. S'il vous plaît, on peut y aller, là? Ah, ça y est. Le sentiment négatif. Ah ouais, non, c'est plus un enemies to lover, je crois que c'est un enemies to enemies, quoi. Est-ce qu'elle accepte de faire un tour de grande roue après tout ça? Pas sûr, hein. Pas sûr. Merci pour ton follow. Je sais pas ton prénom, du coup. Merci pour ton follow, si sous la meilleure, JPEP. Allez, on y va. Oula, c'est un peu compliqué. Il y a des pop-up aussi. Ah oui, il y en a. Préoccupé. Le tour de grande roue semble bien se passer, mais Kenji voit que quelque chose préoccupe Eiji. Est-ce qu'il lui demande ce qui ne va pas? Ou est-ce qu'il lui raconte une histoire pour tenter de la distraire? Il va lui demander ce qui va pas. En même temps, comment ça, qu'est-ce qui va pas? Tu viens de lui casser les pieds dans le manège. Allez hop, un bébé en route dans la roue. Bah, il y a déjà un bébé. Ah ouais, du coup, elle aurait pas dû faire de la grande roue, j'avoue. J'ai pépé. Ok. Ouah, c'est... Elle est pas enceinte de très beaucoup, ça va. Demandez ce qui ne va pas. L'ambiance dans la nacelle devient glaciale. Et Kenji se rend compte qu'il aurait dû laisser de l'espace à Eiji. Sa gentillesse est appréciée, mais la tentative de discuter ne semble pas être une bonne idée dans cette situation. Les problèmes de fou! Kenji reste silencieux pendant le reste du tour de grande roue, prêt à écouter Eiji si cette dernière décide de se confier. Voilà. C'est qui ça? Mais c'est dramatique, June! Pourquoi danser? C'est dramatique ce qui se passe! on va aller faire une petite photo. Faire une photo en étant mal à l'aise! Oh my god, c'est incroyable, oui! Ah, mais on est tout seul! Faire une photo avec. Y a pas faire une photo mal à l'aise avec. Ils vont se sucrer dans la roue. J'y pète. Malicieuse alors. Il faut un souvenir de cette journée incroyable. On danse pour oublier comme après la mort de Jimmy. Hey, c'est quoi ce son à mon sucré? Ça vient d'où? C'est avec les points de chaîne. Mais c'est super long dans la roue là. C'est awkward as F là, il faut descendre hein. Le silence est glacial en Asie. Il faut sortir. Il faut s'en aller, là. Non, mais du coup, c'est intéressant, ce petit trip-là, pour Halloween. C'est qu'on se rend compte à quel point, en fait, même s'ils essaient... Genre, tu vois, Kendall, il essaie de lui faire peur pour la faire rire ou je sais pas quoi. En fait, ça marche pas parce qu'elle est terrifiée. Là, il essaie de lui dire « Hey, tu peux te confier à moi ». En fait, ça devient un silence gênant glacial. Ils arrivent pas, en fait. Ils arrivent pas du tout, hein. C'est une dinguerie, hein. Coucou, Imeka, comment tu vas? Ça vient du US ou autre? J'ai jamais entendu. Oui, ça vient du jeu Amour Sucré, ouais. Attends, je vais voir les photos. Elles sont noires? C'est sérieux? Elles marchent pas, les photos? Faut les mettre sur un mur, peut-être? Purée de patates. Faire crac-crac avec Eiji. Photo romantique? J'ai envie de voir quand même. Ah, ça y est, on la voit, ok. Oh, search. Nanette,
Oui, je sais, t'as envie de dire bubu. On va rentrer après, t'inquiète pas. Hein. Je crois qu'il y a peut-être des toilettes ici en V. En VDV. Parce que ça aurait été mignon de se prendre un truc à graille aussi. Ouais, on va en acadir qu'il allait aux toilettes derrière le photomaton là. Tout va bien pour lui. Et puis on se graille un petit truc. Tu vends quoi toi? Les petites viennoiseries. Beignet de saucisse, mini hamburger. Ah, c'est pas mal. Y a pas un autre truc là derrière? Je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Bonjour. Commande à manger. Ah! Oh! Pizza au fromage. Miam. Commande à manger. Cupcake à la carotte. Miam. En colère contre l'amour. Photo à deux terriblement ratée. Non, les toilettes sont perdues à 10 km. Ça fait aucun sens. C'est vraiment débile. Ah ouais, non mais d'accord. Apple Jewelry pensait que la cabine photo était une bonne occasion de tenter certaines choses, mais n'a obtenu qu'une leçon gênante sur le respect des limites. Mais y a rien qui va entre deux. Y a rien qui va. Le enemies to lover, il veut pas enemiser to loverer là. Vraiment. Ça veut pas du tout. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah on va aller graille, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme si de rien n'était. Malaise, malaise, malaise. Il y a des gens qui déjeunent tranquillement. Eux, ils vont me faire un truc. En vrai, c'est beau, hein. Regardez la petite vue, là. Bah, c'était peut-être pas nécessaire, la haie. Ah ouais, c'est pour la scène, ok. Ça gâche un peu. Mais c'est mignon, quand même. Faut avouer. C'est sympa de manger, là. Coucou, Alizé, bienvenue. Ils sont pas assez ennemis, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ils peuvent pas assez loviser parce qu'ils sont pas assez ennemisés, quoi. Ennemis to hater. C'est ça. Elle prend son cupcake, elle l'attend même pas. Elle trace ta route. C'est bon. C'est bon, vas-y. Il va manger sur le banc. Non, il va manger à la table. Ah, quand même. Quand même. Et franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Peut-être qu'on lui dit qu'on veut garder une relation amicale, là, parce que vraiment, on va s'excuser avec élégance. Et puis on va lui dire, je crois qu'on devrait prendre nos distances pour un petit peu de temps. Non, parce que là, vraiment, ça sert à rien de forcer. Il s'apprécie pas. C'est difficile à avouer pour moi. Mais il faut confronter les choses en face. Les choses en place. Ah, ils viennent de devenir bons amis. Ils se foutent de ma gueule. Pile quand je dis ça. Connexion profonde. Non, elle a pas fait le test parce qu'elle sait, elle. Elle a pas besoin de le faire, elle le sait. Tu vois. Elle sait que c'est lui, donc si tu me crois pas, bah c'est ton bail, quoi. Mais ils ont connexion profonde maintenant. Mais peut-être que tu sais, c'est comme les enemies to lovers, elle lui dit de garder une relation amicale et en fait ils cogitent de chacun de leur côté. Attends, c'est dans quoi? Ah, c'est dans méchant, non? Conflit? Ah, mais on peut pas rompre! Comment on fait pour garder une relation amicale alors, du coup? C'est dans quoi ça? Ah là, demander de garder une relation amicale. Voilà, on va voir ce qu'il répond. Merci Léa, là. Ouais. C'est dans amical. Merci les gars. La connexion était bien profonde pour la mettre en sens. Ouais, ouais, ouais. Ça fait vraiment réfléchir. Kenji a semblé apprécier cette conversation avec Eiji, surtout quand ils ont exploré des sujets plus sérieux qui font réfléchir. Une bonne conversation devient fantastique une fois que l'esprit s'en mêle. Non, c'est très bien. Ça le fait réfléchir, la rupture. Ça le fait réfléchir. Eiji et Kenji ont décidé de mettre fin à leur relation amoureuse. Du coup, il écrit quoi? Eiji, elle est en adoration. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Eiji en adoration! Il s'est passé quoi depuis Eiji est rentré du festoche? Alors, c'est Halloween. Du coup, Eiji a proposé à Kenji d'aller au train fantôme. Et dans le train fantôme, là, à Copperdale, Eiji a fait peur. Kenji a fait peur à Eiji, elle a pas apprécié. Après, ils sont allés dans la grande roue, il lui a dit genre hey, ça a pas l'air d'aller, tu veux en parler? Elle a dit non. Du coup, c'était silence gênant. Ils sont allés faire quelques petites photos dans le photomaton, elle a pas aimé non plus. Et là, il graille un bout. Du coup, Eiji a dit je crois qu'il faut mieux qu'on garde une relation amicale.
Ils se kiffent que quand c'est pas possible, en fait. De fou, c'est ça. C'est vraiment l'ennemi sous lover par excellence, quoi. La bonne friendzone. Ouais, c'est la fin d'une ère. Pour combien de temps? Probablement pas pour longtemps, parce que c'est souvent comme ça, les relations un peu toxiques, hein, les relations un peu... je t'aime, moi non plus. Tout ça, quoi. Ils s'aiment, mais de loin. Ils s'aiment en pointillés. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, là, elle est en adoration sur lui. Et lui, c'est quoi déjà? En même temps, incompatibilité exceptionnelle. Enfin, faites un effort, quoi. Ouais, lui, juste connexion profonde. JPEP. OMG. Ah, il est triste? Tristesse partagée. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, on va rentrer parce que là, c'est un petit peu gênant, quoi. Pas grave, Edgy, on a un couple de copains. Ah, elle est là, elle lâche pas l'affaire, c'est ça qui est beau. Chestnut. Tac. Non, toute seule, tu rentres toute seule. Edgy, elle voulait peut-être qu'il la retienne, qu'il lui dise « Mais non, j'ai été con, j'ai eu peur, tu comprends ?» Ouais, non. Il a dit d'accord. À force d'insister, ils vont peut-être rentrer dans le scénario, c'est ça. Mais du coup, merde, c'est lui qui a les photos. Attends. Ouais. Attends, viens ici 2 secondes, mec. Après, tu t'en vas. Je veux juste te récupérer ton inventaire. Voilà. Il l'a peut-être accompagné, c'est pour ça. Il l'a peut-être accompagné. Et puis, il lui donne les petites photos qu'ils ont prises ensemble dans le photomaton. J'ai trop envie de les voir. Attends, c'est des photos de quoi, ça? Bon, c'est pas laquelle est censée être romantique, parce qu'il n'y en a aucune des deux qui est romantique. Arrête, elles sont chou, l'étoffe. Arrête. Elles sont chou, en vrai, elle est en mode... Eww, mais pour de faux, tu vois. Regardez Kenji sur la première photo. Ils sont mignons. Ils sont trop mimes, au secours. On est d'accord. On est d'accord, Lizzie. Ils sont mignons. En VDV. La deuxième définit bien leur relation, de fou. Ça me termine. Alors, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les mettre, ça. C'est un peu au-dessus de l'escalier. Je sais pas. Dans sa chambre, peut-être. J'pep. La deuxième est très accurée. De fou. Elles sont pas mal, les photos de ce photomaton-là. En vrai, je fais rarement, mais c'est sympa. Je devrais mettre des petits photomatons un peu plus... un peu plus régulièrement. Ah, il n'y a plus de musique. La musique, elle a arrêté de musiquer. Excusez-moi, hein. Ah, pardon, c'est Abo Hotel qui souffre. Ça me termine, ça aussi. Hop, Sacco Boy. Ça ne va pas rentrer dans l'ordre. Il est où, mon lit? Ah, je suis désolée quand je suis en mode build and buy, ça a fait bugger le stream, je sais pas pourquoi. C'était un peu comme ça. Ah mais attends, je vais mettre des cas, donc ça va tout capoter encore. Ça existe encore, Abo Hotel, ouais. Ajouter un cadre blanc. C'est chou. En VDV, voilà. Du coup, bah, il va lui faire une petite bise, un petit câlin, en mode, bon, bah, on se recroisera forcément, puisque, enfin, t'es la vaisseau du coin, quoi. Et puis aussi, tu portes mon enfant aussi, accessoirement, ça, je l'ai bien compris, maintenant. Donc, on se reverra, probablement. Voilà, affection enlacée. Voilà, un petit câlin d'au revoir. Ah oui. Eh oui. Oh. Et là, tu vois, un petit sourire, ils sont de bonne humeur, ta-ta-ta, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils abusent trop. C'est quoi? Là, c'est le coup de vieux, par exemple. Ah ouais, non, de fou. Machi, t'as même pas besoin de nous dire ton âge. On sait. Ça me termine. Oh, ils sont mignons.
Ok, j'y compte garder le bébou. Je pense que oui, hein, parce qu'elle a l'air... T'as vu, elle avait plein de moodlettes où en mode elle était heureuse, donc... Bon, on va pas lui faire ça quand même. On va pas lui faire ça. Quoi, tu m'as donné quand même envie de jouer aux Sims. Allez, let's go, Lou. Crée une petite partie. Peut-être que t'auras plus de chance si tu fais un ennemi to lover, toi aussi. Moi, c'est mal barré, en vrai de vrai. Parce qu'à chaque fois... En vrai, non, si, ça se tient dans l'histoire, après tout. À chaque fois que je me dis, bon, c'est mort, on laisse tomber ce scénario, ils sont en mode... Connexion profonde. En adoration. Ma chérie de bébou de fou. Qu'a-t-il se passé dramatique? Le Patrick a rien à voir. Presque un peu quand même. Tu sais, il est en mode... qu'est-ce qui va se passer? Ça me termine. Bon, écoutez, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit stream vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'avais écrit un peu les grandes lignes de l'épisode sans trop rentrer dans les détails. Et j'avoue, j'ai bien kiffé ne pas me dire j'ai un truc à suivre, tu sais, toutes les 10 minutes là. Donc c'était chouette. J'espère que ça vous a plu aussi de se laisser un peu porter par le jeu comme ça et de voir et d'aller au gré du ventre de AJ qui un coup diminue et un coup. Et un coup grossi, on sait pas trop pourquoi, mais enfin, trop bien ce... Oh, trop chou chandelle, merci beaucoup, merci, je suis contente, ça vous a plu. On va aller faire un petit saut quelque part, on va aller raid quelqu'un quand même, mais quelqu'un. Et merci à vous d'avoir été aussi nombreux sur ce petit stream aujourd'hui, ça fait plaisir. Sachez que je stream tous les jours, donc n'hésitez pas à passer les autres jours de la semaine également. Même si je sais que bah, c'est un peu plus compliqué parfois avec le travail, etc. Mais je stream aussi en soirée. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. Alors, je regarde... Il y a peut-être quelqu'un qui est sur les Sims, hein, on est dimanche. Il y a moyen de moyenner du Sims, non? Il y a moyen de moyenner du Sims. Ou alors... qui que quoi? Il y a Yellow qui vient juste de commencer son stream et qui part sur Coral Island. Ça, c'est un bon mood de... un bon mood de dimanche après. Putain, je savais plus quel jour on était. Merci Gabriel, merci infiniment, merci pour ton prime qui se transforme en abonnement de niveau 1. Ah non, attends, c'est pas ça. Merci pour ton abonnement cadeau qui se transforme en prime, merci beaucoup, merci merci infiniment, c'est adorable. Du coup, on va aller chez la petite pépette là, je sais pas pourquoi t'as pas eu d'alerte, hop, chez Yellow, hop, on va chez Yellow. Merci à vous d'avoir suivi ce stream, bisous, à bientôt, à demain, attendez, je me mets comme ça, ouais, c'est bon, merci, bisous, je lance le raid chez Yellow, qui va avoir un raid alors qu'elle est encore en starting soon, bisous, à demain, bisous, bye bye, bon dimanche, bonne fin de week-end, bisous.